Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Depuis hier, Radio Plus en présence de certains extraits d'un draft bill portant sur la création d'une Financial Crime Commission, la FCC. Un ébauche qui est en circulation parmi certains ministres, mais qui pas encore passe l'étape du Conseil des ministres. Du moins, à l'heure que nous peut causer, parce que le cabinet financier ses audité et nous par connaît s'il ne passe l'étape du Conseil des ministres. Nous perdons de communiquer du cabinet. D'après la proposition faite dans le draft bill, la FCC pointe super instance qui pour enquête le ben crime financier, notamment la corruption. Elle y pourrait grouper plusieurs institutions, notamment l'ICAC, Assets Recovery Unit, Unexplained Wealth Unit, entre autres. Mais ce qui peut tracasse, ben observateur, surtout dans le milieu légal, c'est le mode de nomination du directeur général de la FCC, l'IPO nommé par président qui pourra agir le conseil premier ministre après consultation au leader de l'opposition. L'IPO quasiment un nominé politique, mais l'IPO gagne certains pouvoir qui jusqu'ici seulement détenir par les titulaires de ben post constitutionnel, en l'occurrence le DPP et le commissaire de police. Et parmi ces pouvoirs, nous retrouvons l'italien le pouvoir de prosecute, c'est-à-dire pouvoir de poursuite, initiée, ben poursuite en cours. Donc, Mamoun Diazout, nous pourrons dévoiler à quelques détails de certaines propositions contenues dans le draft bill. Et nous finissons vite sur le plateau, l'ancien directeur des enquêtes de l'ICAC, Roshi Badin. Dans un petit moment, nous pour écouter l'ancien DPP, DPP, Satyadid Boulel. Et tout à l'heure, nous pourrons aussi écouter le senior council Hervé Duval. Et en deuxième partie de l'émission, nous pourrons aborder aussi la situation économique et l'actualité politique avec le leader du Reform Party. Rochibadin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Nawaz, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus et tout le monde qui Alors, euh, avant qu'il nous écoute Satadit Boulel, peut-être nous découvrir ensemble, et là, moi, je vous demande donc la, la régie et euh, de moi pour illustrer une ben proposition dans le draft Bill à l'écran. Alors, euh, donc, euh, Financial Crime Commission Bill, il fait provision pour l'institution d'une Financial Crime Commission, du point Body Corporate, et là, si nous trouve retrouvons à l'écran, euh, document la partie A. Donc, euh, sa commission-là, dans l'exercice, ses fonctions et ses pouvoir, il peut agir « without fear or favor » et il peut « shall subject to this act » Il n'est pas pour la, sous la direction ni le contrôle d'aucune personne ni d'aucune autorité. Et là, quand nous vîmes les Functions and powers of the Commission, parmi les ben pouvoirs qu'il y a, nous vîmes le document B, parmi les ben pouvoirs qu'il y a, il capable prosecute, donc faire une ben poursuite de ben crimes financiers. Et euh, ben, les autres offenses qui tombent sous la financial, Commission Act, financial Crime Commission Act et sous Declaration of Assets Act. Donc, nous ne pouvons des financial crimes. Maintenant, nous vient le, le poste de directeur général de la FCC, euh, document C. Donc, le directeur général, il pourrait être nommé par le président qui pourrait agir. Le conseil premier ministre après consultation avec le leader de l'opposition. Donc, premier ministre pour conseil président Kisana Kipou, nommé comme directeur général, et le renouvellement de ce contrat pour dépanner le premier ministre. Et sa directeur-là aussi, les papou, vous trouverez dans l'extrait D, les papou. Euh, donc euh, sous le contrôle d'aucune personne ni d'aucune autorité. Maintenant, nous vient l'aspect de prosecution. C'est ça qui peut inquiéter beaucoup l'observateur. Donc, euh, euh, extrait P, le prosecution. Alors, Ligia qui... Le directeur général ou bien le directeur des enquêtes ou bien un autre officier qui la commission capable de désigner, les pourcapables prosecution in respect of any offense under this act. Donc, ça, c'est l'aspect de prosecution. Et nous vîmes l'extrait E. côté dit dire qui mène la loi qui peut être abrogée pour repeal à cette recovery act. Good Governance and Integrity Reporting Act et ça on le connaît c'est la loi qui a amené quand Rochibadin est ministre et aussi pour repeal the Prevention of Corruption Act, l'icac l'y opéré sous sa la loi là, le, la fameuse Poca, pour repeal la Poca. Après pour les ben, ben amendement à part qui peut repeal ça mène ben, la loi là, extrait F, pour a, ça qui appelle ben consequential amendments, bill act pour amender. Si nous sommes capables de continuer avec extrait F, montrez-nous le Bell Act. Et là, vous trouvez qui, par exemple, dans y a un certain pouvoir qui actuellement le DPP. Est Donc, le, pour « delete, et DPP, commissaire de police, il y a un certain pouvoir. Vous trouvez, les deleting the words commissioner of police or the director of public prosecutions where they appear and replacing them by the words. Directeur public prosecutions, commissaire police ou le directeur général. Alors ça, c'est très important. Il veut dire, par exemple, pour résister à une motion de bail, Donc c'est la police. Et il y a DPP qui est capable de faire ça. Et là, pierzut, une troisième option, directeur général de la prochaine FCC, ici, il est capable et dans sa pouvoir. Là, c'est un pouvoir très important. Talène, nous pouvons discuter là. Et là, je peux trouver à l'écran. Donc, plusieurs places, il euh, soit il peut dire delete the word DPP ou bien il peut faire ajoute the word directeur général. Ce qui veut dire que certains pouvoirs qui le DPP est actuellement, eh bien, le directeur de la FCC, lui aussi, lui peut certains pouvoirs là. Et ça nous pose dans le cadre d'un amendement qui peut faire dans. Bill act. Si nous venons dans l'extrait G, The Courts Act. Donc, Bill Act amendé, Courts Act également pour amender. Si nous sommes capables de continuer avec l'extrait G, là, pour trouver qui peut delete le mot Director of Public Prosecutions et là, peut carrément remplacer par Director General. Donc, dans certains cas, swap et ajoute Directeur général, c'est déjà l'ici il pouvoir qui DPP, en a, ou bien dans certains cas, puis carrément remplace DPP par directeur général. Et tout ça, il a certaines implications, comme on pour comprendre au cours de euh, l'émission. Voilà, donc ça, c'est quelques ben extraits saillants qui nous trouvaient dans la proposition de ce euh, draft bill. Law Financial Crime Commission. Alors, c'est un, un, draft bill, c'est un ébauche qui est en circulation. Mais on peut à ai l'air qui nous peut causer. Nous pas connaissons si ça ne passe dans le cabinet. Parce que le cabinet est une ne Nous pas connaître s'il ne passe dans le cabinet, s'il si ne passe dans la forme actuelle devant le cabinet et s'il peut introduire au Parlement mardi prochain. Ça, c'est une information qui nous peut gagner dans les heures qui viennent. Mais la proposition est là certains ministre en présence de sa même proposition. Alors, avant qu'il nous écoute Rochibadin qui est le plateau, mon proposite écoute l'intervention de Sacha Hadid Boulel. Nous arrivons 17h13, peut-être nous manque une pause pub. Après la pub, nous pouvons écouter l'ancien DPP Sacha Hadid Boulel qui pensait Lola là parce qu'il est ici, il en présence de sa même extrait qui nous est là, l'inétudié sa même extrait là, et il donne ce point de vue. Nous pouvons écouter lui après la pub. cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. Toi qui comptes en roule machine Toyota, allez une bonne nouvelle pour toi. Toyota, je faire ce grand clearance sales. Tu peux gagner jusqu'à 80% discount pour un grand voyage de spare parts. Hey, Genuine, s'il vous plaît, tu peux gagner un pièce pour te Rush, Yaris, Corolla et même pour Hilux. 80%, maman. Ou si elle a Genwin parts, même ça? Ça m'a même appelé des stockages à Neve. Après, l'agence Toyota, puis n'a fait là-bas. Et n'a pas de Genwin parts que Toyota. On fait aller, Neve. Stock limité, fais comme faisceur. Merci, merci, maman. Et ainsi, tout, nous classons notre Toyota. Rendez-vous dans Showroom Toyota à Bagatelle, Richter et Touban-Sucursal à travers l'île. Ou téléphone-nous 405-64-00 ou 460-52-00. écoute l'émission au cœur de l'info avec nous Rochu Badin première partie de l'émission pour consacrer à propositions qui peut faire pour création une financial crime commission et un draft bill qui est en circulation que fait plusieurs propositions avant la pub je vais découvert quelques extraits les plus saillants et là euh, nous pour écouter le point de vue de l'ancien DPP Sacha Boulel. Maître Sacha Boulel, bonsoir Bonsoir ça à première vue qui vous pensez l'oban proposition qui peut faire qui contenir dans ce draft bill le, en uh, prochaine financial crime commission qui vous pensez l'oban proposition là avant qu'il me faire certains commentaires tout d'abord je dis ça mon gars c'est un extrait de ce qu'il je comprends c'est man c'est man c'est un bill qui 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 s'est il et ce c'est que je ne comprends c'est que c'est c'est un document qui est genuine. Donc, c'est à partir de là qu'il m'a fait faire certains commentaires. Et je voudrais dire que depuis un certain temps, nous finissons par dire qu'il y a une Financial Crime Commission, pérante en vigueur. Je le ministre euh, euh, des de Services financiers, lui-même, qui annonce ça, nous voudrait dire que c'est une bonne chose. Le, nous nous connaissons que c'est le monde financier, la criminalité dans ce monde-là, il peut évoluer à une vitesse fulgurante, mais nous devons connaître exactement dans quelle direction nous allons aller. Ce qui m'a trouvé, jusqu'à présent, c'est, comment dire, il n'y a rien d'innovateur dans ce qui m'a trouvé. Parce que je ne prends trois billes, je ne prends pas une institution qui déjà exister, je vais le mettre sous une selle parasol. Et la manière de me lier, créé un système administratif qui est très lourd, qui m'a pensé de payer les frais de ça, lourd de administratif là, plus devant. À nous-mêmes affaires, c'est ce qui m'ont trouvé dans sa manne là. Et il a raison pour m'inquiéter. Moi, parce que, autant qu'il nous l'est, une un Investigateur performant, man, équipé de mannes de man moyennes modernes et qui est spécialisé dans ce domaine-là, ne bon, comprend pas comprendre ce qu'il fait. les y une raison pour culter le bureau du directeur des poursuites publics. Le directeur des procès publics, euh, c'est lui qui a la responsabilité pénale d'après la Constitution à Maurice. Donc, première premier chose qui me trouve extrêmement grave, c'est qui fait, comment dire, une, une, une à, objection pour qu'il y ait un regard au sein dossier. Dans le passé, nous connaissons le bah, dossier dans ce bureau, comment à c'était le cours normal, et il donne son opinion légale, et, et puisque c'était sous ses responsabilités. Donc, première chose, nous bypass bah, le déficit. Je crois ça c'est grave et que je euh, pense que ça peut créer beaucoup de controverses. Je connais beaucoup de gens qui, euh, qui pour euh, tout ça, presque révoltant. Et moi, je ne crois pas qu'il n'y a aucune raison qui qu fait des affaires. Ça, ça c'est premier. Deuxième, moi ce qui m'a trouvé dans ce manuscrit là, que ça Financial crime Commission-là, lui-même, il fait l'enquête. Lui-même, il initie l'enquête. Après, il fait l'enquête. Il décide si c'est pas pour poursuivre ou non. Et après, il décide il y a, a la cour, il y a poursuivi sa caisse-là. Donc, il a une relation trop incesteuse. une proximité trop, trop partisane. Il n'est pas bon pour la bonne marche d'une poursuite et de la justice. Nous trouvons qu'un directeur général lui-même, l'Enza's investigation, lui-même y a répondu devant euh, devant la commission côté les Devlin de ce point de vue. Mais en même temps, nous trouvons qu'il y a pas de commission, il n'y pas de vers personne, ni envers et, et, et c est, c est, le, le mot qu'ils ont servi ils not accountable to any person or authority. Moi, par moi, qui fait, encore une fois, bien, il y a sa saut d'opacité là. Qui fait, bien, il y a, ça, ça, ça m'a une ça notion de, bien, comment dire, cachette qui se. Ça, c'est encore un une fois. Parce que ce qui arrivait à manquer, ce que le directeur général et sa commission ont décidé pour parler de l'avant. À nous dire si c'est ce qui nous peut, uh, Qui fait, pas exemple, il y a un euh, le DPP qui fait un euh, droit de regard, là. Demain, il y a une complainte qui a levé Est-ce qu'il nous peut ouvrir la porte pour prothèse qui est un man proche de l'État Ça là, 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 critique-là est, est potentiellement là. Donc, c'est pourquoi nous devons faire une super attention aussi quand il ne bypass le DPP et après il nous isole la commission-là hein, de toute notion de transparence, surtout. De tenir un pouvoir accru, un pouvoir qui est bien, bien invasif, dans tout l'aspect, la vie, euh, la vie en dimanche. Et l'autre petite chose qui me tourne euh, encore une fois, c'est la manière qui, qui décide euh, comment pointe, le directeur général. Là, nous trouvons que c'est le président acting on advice of the. Un uh, premier ministre qui finit de consulter le leader de l'opposition. Nous connais ce que ça savait dire, mais nous connais aussi que le président actif advice, Advaise veut dire qu'il faut bien accepter ce que le premier ministre dit. encore une fois, il est une mainmise -nice politique. Il a deux façons. Une, une mainmise -nice pour contrôler sa commission. Là, nous connaissons ce qu'il nous a qu qu dans le passé. Et deuxième affaire, c'est occulter le bureau du DPP. Il a fait faire bien attention. Il s'éteigne le Pérode amène le bureau du, du DPP comme un petit département. doucement, doucement, qui est tout ce bon pouvoir de, de poursuite. Et déjà, et, et après, commission me trouve, c'est qu'il bien faire attention aussi, de créer créer une autre unité dans la police, parce que ce sera un vrai danger dans nos contextes démocratiques. Euh, Maître mettre euh, Boulel si ça, la loi là l'est passée dans sa forme actuelle est-ce qui ou pensez ou qui capable de contester la constitutionnalité de cette loi devant la Cour suprême potentiellement oui ou pas capable paralyse l'exercice du pouvoir de la constitutionnelle qui l'investit dans le DPP c'est une façon pour comment dire anesthésise complètement euh, L'application de la section 72, vous pensez potentiellement, mais bien sûr, vous besoin d'être euh, dans ce contexte final, vous besoin d'étudier euh, comment euh, prépare une contestation. Maître Sadad Boulel, merci beaucoup. Ok, merci. Alors pour résumer l'intervention de l'ancien DPP Adid Boulel, l'idée qui euh, manief une drafter sa billa il peut dire qu'il est extrêmement grave, voire même révoltant, qu'il peut occulter et peut bypass le DPP. C'est ben le mot qui lui-même l'inservi. Et il dit, l'opinion, lui, il y ça, il trouvait qu'il DPP n'a pas droit de regard, le dossier, qui pour devant la Financial Crime Commission. Alors, Adit Boulay, il dit FCC, lui-même fait l'enquête, lui-même Et il dit, c'est un lien incestueux, une approche partisane. Il pose la question, est-ce qu'il peut ouvrir la porte pour prothèse certains proches de l'État Lydia, qui sa commission-là, FCC, pour avoir un pouvoir accru, mais de l'autre côté, il ne trouve accountability, parce que directeur-là, il pourra en conduire à la commission, accountability, il a pénal transparence et non opacité. Et concernant le mode de nomination du directeur, Lydia, qui ça une preuve, d'après lui, qui est une mainmise politique, parce qu'il... Président pour nommer l'advice du Premier ministre après consultation avec le leader de l'opposition. Et à la question, est-ce qui, si ça la loi là passait dans, un, dans ce forum actuel, capable de contester ça la loi là devant la Cour suprême Lydia, oui, potentiellement capable de contester. Voilà donc l'essentiel de l'intervention de Maître Sachadit Boulel. Et bien sûr, nous vous écoutons l'opinion de Rochibadin après la pub. Le cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Radio Plus. La pub. Eh, hey, Nevi, toi qui comptes en roule machine Toyota, j'ai une bonne nouvelle pour toi? Toyota, il faire son grand clearance sales. Tu peux gagner jusqu'à 80% de discount pour un grande variété de spare parts. Hey, Genuine, s'il vous plaît, tu peux gagner pièces pour high-s, Rush, Yaris, Corolla et même pour Hilux. 80%, maman? Ou si Genuine Parts, même ça? C'est même qu'il y des plus de stockage, Après, l'agence Toyota, il y un fake là-bas et il genuine Parts que Toyota, Toyota. Offer l'air, Nevi, stock limité, Fais qu'on ça. se. Merci, merci, maman. Pas Merci. tantôt, nous classons une de Toyota. Rendez-vous dans Showroom Toyota à Bagatelle, Richter et Touban-Sucursal à travers l'île. Ou téléphone leau 405-64-00 ou 460-52-00. Dans le studio, et d'après l'information qui nous peut gagner, donc reste à être confirmé, mais il, il paraît de domaine source fiable, qui probablement euh, le projet de loi, la création de Financial Crime Commission, l'est pour en première lecture au Parlement euh, ce mardi. S'il est en première lecture au Parlement ce mardi, ça veut dire que le cabinet fin approuve le bill. Reste à savoir maintenant s'il est pour dans sa forme actuelle ou bien il, il y a des changements qui pourra apporter. Et de toute façon, dans les heures qui viennent, le bill lipo euh, disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Rochou Batin, qui est l'opinion la création d'une super autorité qui s'appelle Financial Crime Commission et surtout le draft bill à côté propose quand même un ben, changement majeur? Oui, euh, nous avons déjà causé le Lola Maurice, en 2015, nous Regarde tout ban institutions ce modèle de fonctionnement, et nous disons qu'il y a un modèle qui est un peu basé sur le système anglais qui appelle National Crime Authority. National Crime Authority, ce qui est arrivé en Angleterre, c'est qu'ils prendre pas que paquet institution comme Serious Organized Crime Agency, National NCIS, Criminal Intelligence Service, le côté financier, c'est une espèce de FIU. Tout cela, là, tu mets ensemble, tu fais vivre National Crime Authority qui fait. Parce qu'un, premièrement, pour une pli efficient euh, pour enquêter le le crime financier. Et deuxièmement, aussi, pour réduire comment on ça burden administratif qui, qui est dans ce différent de la loi et dans la clause de confidentialité et uh, sharing of information, comme ça partage de l'information, mais finalement, le criminel gagne sa paix. Mm -hmm, ouais. Que ce soit en termes de fraude, en termes de blanchiment d'argent, en termes de corruption, en termes... Même les trafiquants des drogues, hein, parfois. Ouais. Donc l'idée est bonne. L'idée est bonne. L'idée d'avoir mm -hmm. un uh, one-stop-shop, mm -hmm. que tout va la loi. Un umbrella organization. comme -hmm. moi, je appelé à l'époque un apex body. Mm -hmm. C'est-à-dire qui tout est là et puis il y a problème bureaucratique, administratif, qui allant pèser dans l'enquête. Beaucoup de fois, dit vois, l'enquête prend les temps

Bon, qu'on gèle un bill là, on ne peut pas commenter le bill là. Là, on peut dire que ça ne passe dans le conseil des ministres aujourd'hui et qu'il probablement l'hyper le parlement first reading mm -hmm. euh, oui, la semaine oui. prochaine. Probablement. Mais oui. probablement, le bill sera sur internet et nous aurons l'occasion lui durant le week-end. Mais ça va de ça va de papier qui vont gagner différentes sections du bill là qui vont donner mon bégueté. Moi, trouve l'ancien DPP, une commente là. L'idée montrer que ça, la loi là moi j'allie au moi je vous dis à cause la vérité où il pas réforme le système mmh. il pas réforme le système du tout mmh. au contraire il a un peu comme dire où une branche vieille du vin où on peut mettre lui d'un nouveau bouteille mmh. et à ce temps où vous il y a une un nouveau bouteille du vin mmh. mais du vin là même fait ça ou soit une fois, une du bon a disait où romla pas bon mais c'est mon bébé ouais hein? qui qui bah ben sous, sous inquiétude qui ouin n'importe mais sous inquiétude il principalement par le fait que la structure elle-même n'est pas bonne mm. en termes de nomination ou en on trouve qui est un main mise des politiciens, l'eau qui s'en là qui vous mettez là-bas. Je fais une comparaison avec la loi qui modifie indépendamment le Integrity, le Good Governance and Integrity Reporting Act. Là, dans sa la loi là, quand tu mets sa nouvelle institution pour la guerre contre ban richesse inexpliquée, un explain wealth. Mais pour mes affaires, c'est tu disent, tu dis, dis qui quand où board, ou peut mettre un baud, mm -hmm. ou peut-être un gouvernement indépendant, ou peut-être un gouvernement impartial. Mais là, non, non, y a rien de ça, la loi, là, ou peut mettre un petit copain, là, ou peut mettre un gouvernement qui, comment dire, il peut satisfaire les politiciens qui au pouvoir, jete l'intérêt. Mm. Parce qu'il est nommé sous avis du Premier ministre. Le Premier ministre décidait, là, là, il y a ou non, là, de est président. Bon, qui, qui c'était l'idée de... Nomination, mais c'était un peu pareil comme on le dans euh, le modèle initial de l'ICAC, tiens un appointment Committee. Mm. Là, dans le modèle initial de l'ICAC, initial de les idées, comme ça, on un appointment Committee. Mais c'était la même Et, chose. Non. Président, Premier ministre, c'est que les ce n'était pas la même chose. Les idées, comme ça, étaient en majorité of votes. Ouais. Ici, là, les pires, ici, là, les ils se le leader de l'opposition, mm -hmm. il téléphone, il y a un info qui va euh, mettre euh, Nawaz là-bas, dans FCC, il me Qui est leader l'opposition Il dit oui, il dit non, je ne pas d'accord, je ne objecté. Il C'est comme ça qu'ils se travaillent aujourd'hui. là Alors, ce là, le Premier ministre, il donne son advice, il va mettre Nawaz là-bas, il y a un président de la République. Le président de la République, c'est un pli, correct, mm. nommé. Mais c'est là nous décide. Au final, c'est a du le Premier ministre. Ouais. Alors, quand vous avez le modèle initial de l'ICAC, les parties comme ça, pour me revenir à, à la question que vous me posez, les majority of votes, ça veut dire que vous un président, leader de l'opposition, avec premier ministre, ça veut dire dès là-dedans, il y d'accord. Mm -hmm. Mais là aussi, ça, là, ça, moi, il y a un problème. À l'époque, là quand ils met ça, il y a un président pour une semaine de comité. Il y a un premier ministre, il encore a président de la République, avec Nabin Amgoulam comme leader de l'opposition. Mais quand il y a un Niro Diagnat, qui sort d'un MSM d'accord. Mais peu importe qui n'a vu l'angoulême, comme leader de l'opposition, les vous décontinent. À cause ça, nous utilisait l'appointment de comité, ça à l'époque-là, pour une vraie transparence, les faisaient « unanimous decision oui. ». Là, ils venaient dans les affaires, ça y Il faut des premiers ministres, président de la République, qui est « head of state », et leader de l'opposition, tous les trois d'accord maintenant, là-bas, les là où ils n'ont ça tout monde. – là. t'as dit, dit, dit une proposition qui, euh, ça… Pour cela, vu le pouvoir que le directeur de la commission a, tu dois être nommé par l'LGSI, Legal and Judicial Services Commission. c'est ça. Il y a un argument pour, mais un argument contre aussi. Parce que finalement, c'est pour le juge, c'est pour le judiciaire. Mais Finalement, Ken case finit enquêté, fini passe dans sa système l'enquête, elle poursuit, amène devant la cour. C'est Zidichia qui vous disait. Mais vous n'êtes pas capable de dire qui vous commencez sa procédure, l'enquête, là lui-même, il saute dans le pas le et finalement, il va pa l'écouter par Zidichia même -hmm. Bon, il en, y en, a énormément argument pour et contre. Mais seulement ce qui me plaît à c'est que mo le modèle du appointment committee, si vous êtes je me rappelle Paul Béranger, si tu es d'accord à l'époque, hein, mm -hmm. euh, quand il était premier ministre, je me disais là. C'est qui est bizarre, qu ça a pour de comité là, et non, une unanimité. Ouais. Qui le premier ministre du pays, le président de la République et le leader de l'opposition, tous les trois d'accord, l'on nomination Njimoun. Ouais. Si N pas d'accord, pas quand on nomine. N pas d'accord, pas quand nous... ouais, donc Et arrive un je peux obliger. Oui. Je peux obliger d'accord. Pour le bon fonctionnement du pays et de l'institution, le mm Banjimoun, -hmm. quand on nomme un premier ministre. Un leader de l'opposition, un président de la République, un ben, leader responsable. Ouais. Mais c'est pour, pour pour le bien du pays, tous le les trois, c'est Darko. Là où gagne, un Djimoun qui n'est accepté. L'avantage, la ça. ça. c'est qu'il l'opposition. Je ne sais pas pourquoi il a l'impression mettre ce Djimoun là-bas. Oui, parce que leader de l'opposition d'accord. Leader de l'opposition d'accord. Ça faisait d'or et déjà, nous ne commençons avec un système. Ça, c'est une réforme. Ouais, y ça moi, je suis la réforme, inspire confiance. Ouais. Et il diminue ses affaires. qui, Même en journaliste, pas pour qu'il ne il a le, le pouvoir du jour, il met du monde là-bas. Parce ouais. qu'il est le président Mais ça, le, il n'est pas inspiré à confiance, après vous. à ce vous avez compris des affaires. Président de la République aussi. Oui, il y a différents types de présidents. Ouais. Il y a un président qui m'a respecté grandement, comme Kassam Utim, qui, quand il n'est pas d'accord avec ce qu'un gouvernement peut faire, il a une loi spécifique, il dit comme ça, mais il que ça aller comme président. Mais mm. la nomination pour un gémoune comme le FCC, aussi, si vous avez un président qui, comme on dit, il dans sa euh, même, allons dire, caractère qui a sa mute là, ouais. dans sa modèle là, que tu n'es pas d'accord, mais le président n'a qu'à dire ça. Si vous faites faux, vous allez me lever, vous allez. Il ne faut pas ouais. vous, vous, vous d'accord. Mm -hmm. Alors là où le système devient un peu plus transparent, plus correct, ça c'est ce qu'on appelle une réforme d'un système. Mm -hmm. Nous, dans Reform Party, dans nos 80 réformes, où vous trouvez une cause inconstitutionnelle pour le ben comité. C'est-à-dire pour manipuler poste important, vous blisez un comité. Un peu pareil, dans Seychelles, ils ont fait ça. Je me raconte tout comment ça a passé. Seychelles, c'est qu'ils ont fait, ils ont cherché Assistance du Commonwealth Secretariat. Pour dire comme le secrétaire, aide-nous pour que quand nous nommons du monde dans nos institutions, nous nommons du monde qui est bien et qui peut faire travailler comment Alors là, je viens avec un modèle, comment nommer nommons du monde, comment apprendre du monde dans un poste important. Alors que ce soit pour directeur, euh, allons dire ici, FCC ou bien l'ICAC ou le commissaire de police, ou pas, bon, il un poste important, même la Banque Centrale peut-être. Mm -hmm. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est que vous, faites, que vous un, 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 un comité qui est nommé pour apprendre du monde c'est un travail, il n'est pas politicien qui fait ça, ou TSA sais, ça, dans l'armée politicien. Mm -hmm. Et là, donc, il y a un ex-président de la République, ou qu'un mm -hmm. ex-chef juge de la République mauricienne, mm -hmm. ou qu'un mm -hmm. il qui occupe une haute fonction dans, euh, dans, dans, dans le, dans la fonction publique, par exemple, un ancien secrétaire de cabinet, par exemple, un ex-secrétaire aux affaires un qui connaît le système. Ouais. Alors, là où gagne l'indépendance, l'autonomisation. la nomination. Mais évidemment, je connais un peu là, mais la structure elle-même n'est pas bonne. Ça, c'est la première à cause de nommer. Comment vous nommez Si vous mettez le pantin là-bas, vous gagnez, vous finissez bloquant le mm. système. La deuxième affaire, c'est qu'il nous peut trouver... veut le qui... pouvoir DPP là, là, là je hein? Donc, oui. euh, là, peut, vous me vous commencez, hein Oui. Là, vous nous trouvez là, il y a une place qui peut « delete uh, the word DPP mm. », ou « replace by director general », ou il mm. ou peut ajouter. Ouais. zout ». Directeur général, le ben pouvoir qui DPP, le commissaire de police, et ouais. là -bas. Mais, bon, Moudjali en créole bien simple, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Qui fait Moudjali, il n'est pas bon parce que le DPP, il a un rôle à jouer dans nos constitutions. Nos constitutions, c'est nous la loi suprême, c'est ça même qui fait nos pays, c'est qui y était. DPP sous section 72, il a décidé qu'il s'en a pour poursuivre dans Maurice. Ou soit c'est pour take over, prosecution, elle couver, ou soit ça n'a pas pour poursuivre aussi. discontinue. Et, ouais. Et nous demandons qu'est-ce qui est dans le Conseil privé qui a quels sont les pouvoirs du DPP sous la Constitution mauricienne. Par exemple, le cas de Radio Moït. Mm -hmm. Le cas de Radio Moït, c'est est-ce qu'il euh, est -ce qu a un droit à mener judicial review le DPP se décision pour poursuivre un Djimoun ou ne pas poursuivre un du monde. Mais Là, il est clair, là, le Conseil privé. Euh, indéterminée, la cour plus haute qu'il y a dans nos systèmes, mm -hmm. qui pouvoir est non? Ça veut dire là-bas qu'il est a où quand DPP prend une décision pour poursuivre quelqu'un, mais pas de judicial review là, parce qu'il dit que du coup, là, quand il démarre la cour là, il y a le remédie là-bas, il mm -hmm. y a la guerre qui est là-bas. Mais quand DPP décide pour ne pas poursuivre Kiken ça est amenable à une judicial review, c'est-à-dire la cour suprême capable de faire une révision judiciaire. Mais le pouvoir des nous déjà connaissons qui y était. Là, je dis, dans la loi qu'ils ont pu mettre là, Moi, je vous explique où problème là, problème. Parce que vous avez un ancien DPP qui dit que FCC lui-même fait l'enquête, lui-même poursuivre, et lui dit que c'est incestueux, capable n'a pas une approche partisane. Je suis d'accord à 50% avec ce qu'il dit a avec tous les respects qu'il m'a donné pour lui, parce qu'il y a un ancien DPP, moi-même, je fais des mais je suis un avocat, je fais ministre de bonne gouvernance, je fais directeur de l'ICAC. Mais je dis euh, il y en a 50% de raison dans la mesure où, ce perrode, comment dire, met en main-mise le reste de l'affaire qui s'appelle ça provisoire. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a un du monde qui a promis lui devant euh, la cour et là, euh, soit pour l'orgueil au cochon, soit pour dire qu'il n'est pas complétée, l'enquête, c'est si pas lui qui a interféré au témoin, c'est pas lui qui a détruit le document, à cause ça, veut dire qu'il a dit jusqu'à ce que l'enquête soit décidée. Après, il est là de l'autre côté pour faire une motion pour remettre li en liberté. Ça, pro, ça procès là. Je ne parle pas l'aider là-dedans, c'est qui m'a peut trouvé là. D'après mm. ça, la loi FCC là. Ouais. Je ne vais pas l'aider là là-dedans. Ce n'est pas le pénal droit de Régo, non. Non, je ne veux pas l'aider Pépirante droit de Régo ouais. là-dedans. Moi, -mo expliquer, c'est un ce qui m'a peut trouvé ouais. Mais par contre, quand vous prenez une décision pour poursuivre un devant la Cour, en termes de main case, c'était un procès là pour commencer. Ça, c'est comme dire, ouais. normalement, l'idée devant la cour intermédiaire pour manquer cas casté dans la « Financial Crime Division ouais. », ça, DPP, ça donne ce laval sous section 72 de la Mais Constitution. Ce Et ça. ce n'est qu'à ce moment-là que DPP a accès au dossier-là, quand sa ça poursuit là. Oui, quand vous pouvez que DPP exerce ce droit constitutionnel pour prendre une décision pour poursuivre un individu pour un cas sous ça, la loi-là, un « Financial Crime », les là où vous avez tout dossier, où l'enquête, où il statement, où le document, tout ce qui est a. Use the news material, que vous avez envoyé pour prendre une décision en son, en son âme et conscience. Et lui, il connaît, il y a un critère ici. DPP, pas de décide possible. Je vous dis comme ça. -hmm. Le bisou, premièrement, y a une question de prospect of conviction. Qui veut une raisonnable prospect of conviction? Parce que DPP comprend l'affaire. C'est un fonctionnaire de l'État ici. Oui. Il parle en gaz, il y fonds public en oui. gaz, ban tax money mm -hmm. dans un procès pour poursuivre Djimou pour un crime qu'il a l'a une fait c'est à dire l'inhumer d'une façon pas correcte dans la société mauricienne en gaz font public pour ça mais quand même penser qu'il s'accala avec ce qu'il la loi de dire et man fait qu'il met devant lui qu'il y pensait qu il y pense, y pourrait si gagner ça cela mm -hmm. un reasonable prospect mais là, bonne une question. Attends, je dire, FCC, pour finir, l'eau, ça mène qu'est-ce là. Mais DPP, si, les cas, les cas, les cas, discontinu pour cela. Il est toujours dans le pouvoir là. DPP, il a le pouvoir pour commencer une prosecution. Il a le pouvoir pour les discontinuer aussi quand il y a envie de discontinuer. Mais c'est qui m'opéra de faire, qu'il y a un pouvoir pour take over aussi. Dans le private prosecution, il y a du monde qui mettait. Ouais. Ceux qui disent pipi, ça recouvre. Ils disent Bon, allez, à, soit moi, je vais vous faire un cover, soit moi, je vais vous faire là. Ouais. Bon, bien, pas me trouver. Moi, mon ne vais pas me trouver. Je vais vous faire pour vous dire Allez, allez, moi, je poursuivre. Du monde qui a de private prosecution décide pour poursuivre. Ouais. Bon, pas qu'on ait qui fait, mais il a donné la loi, mais pas ne pas, pas être servi. C'est bizarre. Tu m'amène beaucoup plus de transparence dans ce système-là. Mais mais là, ce qui peut arriver, c'est qui sa pouvoir DPP pour le poursuivre Andy Moon, comme un procès, une devant la Cour Financial Crime Division là-bas, ça lirait sur DPP ça. Ça, la loi là, pas peut prendre pouvoir DPP là. Oui. Sinon, il vit en contradiction avec la Constitution. Il est en contradiction avec section 72 de la Constitution et il n'y a pas le test of constitutionality. Si je trouve faire une affaire comme ça, je vais jouer au pouvoir DPP de cette manière là. Mais ça, se vais le tasser parce que la Cour suprême 10 minutes premier case qui est devant lui, lui c'est faut la loi là, les que la loi là n'est pas bon, parce qu'il est anticonstitutionnel. Ouais. Qui fait Parce qu'il nous a qui. Vous voyez, je me rappelle Guy Olivier, c'est des mots plus billemment, c'est-à-dire que montré ma constitution Maurice. Il y section 1 et 2 de la constitution là, c'est la constitution elle-même. Et là-dedans, il y qui n'importe qui la loi qui compte ce qui est la constitution, ouais. une qui, dire, la constitution dit, mais pour l'extensible de cette inconsistance, il nul void. Alors, vous passez la loi dans le Parlement je vous dis, quand vous appelez FCC, quand vous appelez, s'il y a le compte de tu Constitution, tout va être extrêmement inconsistant, il n'y a pas de nul, nul et non à venir. Oui. Ce c'est ce que vous disais tout euh, à l'heure, quand je disais l'India, qui a joué au pouvoir des PP, darko, dit, qui a été fait à en ce qui concerne qu'on arrête du monde moment des mesures provisoires, et sur période, comment dire, tiens des mesures au rôle qui est là. Mais périduella, périduella, ce rôle-là, péler le pouvoir. Les mesures provisoires-là, oui, oui, définitivement. Ça, déjà, je me disais, comment, où par contre là-dedans, là où. Quand nous finissons l'enquête, quand nous finissons tout, nous pas voulu de chez-coude tout, les laois exercent le pouvoir sur section 72 de la Constitution, c'est pas poursuivre du monde là, c'est pas repoussé du Mais qui va danser là-dedans Mais danser, c'est qu'ils se lever, du coup, ils ont arrêté, bruit, bruit, les mesures provisoires, comme dans mon cas, même ils n'arrivaient, mais nous allons guerre à la cour. Une fois, Ram goulam tu fais arrêtement, là, une fausse case. Dans quatre semaines, on casse la là, devant la cour aux îles. Une fois, Jacques Nath, tu fais arrêtement, là, une autre fausse Ça, C'est comme aux familles, tu fais passer beaucoup de problèmes. Et là, on fait casse la dans quatre semaines, encore. Mais je ne peux pas servir ça comme un opposant politique. Mais là, pourquoi casser une caisse dans quatre semaines, avec ça Donc, mais là, c'est ce qui peut arriver. Ou pas pour une... Allons dire ça, l'autre institution qui appelle le DPP, qui a voyé nos la cour... C'est pas libre trouver qui s'approvisionne le charge, il business stand ou un stand. Mais là, il problème Parce que, enfin, pas si c'est FCC, quand même la police aussi. Je je êtes de retour, je vous êtes Je que ça, il y suspicion Là-bas, on dit que Tesla, c'est un le test pour des pépés pour suivre un devant la cour, c'est reasonable prospect of conviction. Ouais. Mais pour la police arrêter un jiboune, c'est reasonable suspicion. Ouais. Ça veut dire, si lui, il pensait qu'il a commis une offense. Mais un a une offense provisoire. Et il pensait la loi, il un une c'est vrai, il a un manzisement, un manras, de race, plusieurs cases devant la cour suprême, il décide ça. Que il à dire qu'ils ont besoin d'un équivocal, ils ont besoin suspicion raisonnable. La seule suspicion d'un policier n'est pas suffisante. Il faut être raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a une personne raisonnable pour trouver comment c'est suspicieux. Mm -hmm. Là, on a le droit d'arrêter cette boucle-là. Mais quand on l'arrête, on n'a pas un magistrat. On peut prendre sa liberté et tout là. Mm -hmm. Là, premièrement, on n'a pas le droit de quitter le pays. Deuxièmement, on a besoin de froues ni cauchons. Et en plus de ça, on peut mettre ça dans la dans, dans, dans prison. Oui. Ah, pas prison, mais comme on dit, dans une station de la en police. En détention. En détention. Oui. C'est ce qui l'enquête peut faire tout ça là. Mais là, dans le système actuel, DPP, il et a un rôle à jouer. Il y a un officier de la cour. Il y a un d'une certaine façon pour empêcher ce abus. Ouais. Que ce soit de la police, que ce soit de l'ICAC ou bien n'importe qui. Et nous avons un manqué, ce que est un mangis de l'INSEMA. Oui. Donc, avec ce qui peut proposer là, vous pensez qu'il ouvrira la porte à un abus, le sens provisoire mm -hmm. Définitivement, il ouvert la porte à Banabu parce qu'il y a un potential check and balance qui le bureau du DPP représentait pour Bansoise provisoire. Mais moi encore, dire, pour Binke, c'est non. D'accord. Nous, nous, nous manquons une pause pub et nous reprenons la discussion tout juste après. Nous pouvons aussi écouter le signer Cancel et Ave Duval. Au cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Radio Plus. Radio Plus. Hey, et NV, toi qui comptes en roulement à Toyota, allez une bonne nouvelle pour toi. Toyota fait ce so grand clearance sales Tu peux gagner jusqu'à 80% en discount. sur un grand voyage de spare parts. Et hey, Genuine s'il vous plaît. Tu peux gagner un pièce plutôt high Yeast, Rush, Yaris, Corolla et même pour Hilux. 80% maman ou si elle parts même ça Ça même qu'il des a plus de stocks à Après, l'agence Toyota. Puis n'a fait là-bas. Et n'a genuine parts contre Toyota. On fait, allez à NV. Stock limité. Fais comme passe-eux. Merci, merci maman. Merci. Dans tantôt, nous glacerons vous bout Toyota. Rendez-vous dans Showroom Toyota à Bagatelle, Richter et Touban Sucursal à travers l'île. Ou téléphone l'eau, 405-64-00 ou 460-52-00. débattre le Financial Crime Commission, donc euh, un draft bill qui est en circulation. Il est possible que euh, bientôt nous puissions le bill qui pourrait rendre public euh, le site de l'Assemblée nationale. Euh, donc, euh, nous finnent de dévoiler le mode de nomination et aussi c'est un pouvoir qui est actuellement le DPP ou le commissaire de police est a. Donc ça, le directeur de la nouvelle Financial Crime Commission, Nipoina, un, euh, ça là. Finis, nous pourrions avoir certains pouvoirs-là. Et Rochibadin finit explique-nous avant la pub. Le danger là-dedans, c'est qui même si quand la financial crime commission pour l'ose poursuit pour l'ose main case le dpp euh, still pour capable donc entre en scène parce que ça c'est ce pouvoir constitutionnel qui est là mais le danger là-dedans c'est entre temps pour capable l'ose ben une se provisoire condimoon ben et d'après Roshibadin, ça a ouvert la porte à ben abus l'oben charge provisoire maintenant il y a l'aspect euh, Moutine Kosa, uh, dans l'introduction, amende BEL hack et COATS hack et comment je te connais actuellement, c'est euh, le commissaire de police, vous la police et euh, le bureau du DPP, vous êtes capable de résister à une demande de, de caution. Et là, PAMON, ça mène la loi là pour que le directeur de la Financial Crime Commission, l'ICI, gagne sa pouvoir là. Et euh, le signaux cancel est avec Duval. Il est assez inquiet de ce amendement-là. Nous écoutons Hervé duval sur l'intervention et nous retournons en studio. Maître Hervé duval euh, bonsoir. Bonsoir. Qui ou l'opinion, euh, la euh, ben proposition euh, qui contenait dans le draft bill de la Financial Crime Commission? Alors, je vais vous ce draft bill-là avec un, un regard plutôt focus, le, ce qui nous rappelle ben consequential amendment. Ça, ça, ça veut dire comment une nouvelle loi fit-in dans le cadre général. Et parce que c'est une nouvelle loi, il y a un changement qui est bien fait dans les autres lois pour qu'il y ait une harmonie dans la législation générale. Et ce qui mon attention, c'est que dès la loi, bien important, il peut changer. Il y a d'abord le Bail Act. Donc la proposition, c'est amende le Bail Act. Pour qui, euh, sa directeur, sa nouveau directeur de sa institution-là, lit comme nous dit, à part avec le DPP et le commissaire de police en ce qui concerne, ben, recours qui est capable de gagner quand la cour, euh, laisse Andy Moon aller bail. Sa première affaire. Et deuxième affaire, la proposition, c'est aussi d'amender le Code Act pour que si sa directeur, de sa nouvelle institution-là, et non pas le DPP, qui décidait que les poules d'information ben pour des ben crime financier. Alors, je trouve cette proposition-là, ce timing indécent. Ça contexte Là, ce contexte-là seulement, parce qu'il nous connaît qu'il y a récemment un journaliste il appelle ça une crise institutionnelle, qui devant la Cour. Quand le commissaire de police peut demander à la Cour suprême de trancher si oui ou non le DPP finit André Crossover in his lane, quand il s'agit d'un de stage d'enquête, de, quand il peut objecter qu'un gain caution un cochon ou bien non. Étant donné qu'il s'acquiesce à la Cour, je crois que le législateur, pour la décence, attend que la Cour prononce-le pour qu'il y fasse ben, un changement qui vise dans la loi et pour que de la loi reste consistante avec un ben, principe démocratique qui entraîne dans nos constitutions. Donc, moto timing là, NCP euh, maladroit, si je suis capable, c'est là, et il n'est pas, André, rassure-moi, sur l'intention du législateur. Donc, bien sûr, là, c'est un draft. hein, nous ne connaissons pas comment le cabinet peut accueillir ça. Nous ne connaissons pas qui peut venir devant le Parlement. Mais le fait qu'il que la Cour suprême est déjà saisie d'un euh, conflit entre le CPI et le DPP, qui fait un ben drafting comme ça, ne me pas rassuré par le timing. Euh... Quand vous gêtez euh, certains pouvoirs, qui peut proposer pour donner au directeur de la prochaine FCC, est-ce qu'il y a ou, ou davis euh, qui peut essayer de euh, réduire certains pouvoirs du DPP, voire même bypass le DPP ben, C'est clair. Euh, quand vous get ça, ben, d'abord, comme on dit, ben, vous trouvez que donner ça, ben, euh, ça nouveau à sa nouveau directeur là même pouvoir qui est le commissaire de police. Et dans une section, qui section 4-5, alors que le pouvoir de saisir la Cour, c'était que le DPP, je peux donner ce pouvoir-là et CPI et sa nouveau directeur là Vous connaissez la loi comment un bel acte, mais il est bon nous amende les conséquences autre loi. La loi trop importante et elle mérite plus de considération qui aime ce paragraphe. Dans un, 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 un lot de la loi. Et deuxièmement, quand on get code, là, c'est clairement les pires en place. L'intention du drafting, nous hein, bien, bien préciser, ce ça, ça document qui nous trouvé là propose tire un pouvoir avec des décisions avec le, pipi, le DPP pour donner ça nouvelle euh, nouveau directeur. Là. Alors, qui nous connaître, qui bof le DPP et le commissaire de police, pas la protection constitutionnelle qui permet aux autres d'être indépendant si ils ont envie, okay? Et ça, nouveau directeur là, il perd Zéna sa protection. -là. Et donc, je crois qu'il certains pouvoirs, bien réservés à, à des à des institutions ou à des positions qui sont protégées par la constitution. Si que vous connaissez a fait bien ça a fait ça. Le pouvoir de et le pouvoir de poursuivre, c'est aussi le pouvoir de ne pas investiguer et de ne pas poursuivre. Et quand on a un Zimoun dont l'indépendance n'est pas garantie par la Constitution, on ne peut pas croire qu'il y a de bonnes affaires. Il s'agit de là, qui peut décider si on peut poursuivre un ben, euh, financial crime. Et financial crime, c'est quoi C'est corruption. C'est financing of drugs. Alors nous pouvons laisser un Zimoun euh, qui n'est pas... Euh, accountable, qui n'est pas, euh, comment dirais-je, dont l'indépendance n'est pas garantie par la Constitution, décider si oui ou non, poursuivre poursuivre Ben Politicien? Mm. Moi, je ne crois pas que c'est un pas dans la bonne direction. Et certainement, pour moi, c'est sans presser, alors que la Cour suprême sera appelée bientôt pour dire si pas, oui ou non, il fait un certain dérapage. Et si oui ou non, le CP a ben, intronpli ce qu'il y croit être sa bonne prérogative. Alors, euh, c'est vrai qu'il nous connaît qui euh, qui Bill qui pouvait devant le, le, le Parlement. Mais euh, si euh, euh, ça la loi là passait dans la forme actuelle, est-ce que vous pensez qu euh, 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 qu'il qui est, qu est capable de contester ça okay. en cour suprême Est-ce qu'il de de la loi qui constitutionnelle Est-ce capable contester C'est une question un peu, euh, comment dire, il m'a besoin de prendre une bonne dose de spéculation, mais laisse-nous nous prendre l'hypothèse qu'il n'y a pas sans. C'est dans ce document qu'ils vont nous trouver, là. L'autre question qu'ils peuvent poser, là, là c'est comment nous li lier avec la Constitution. Est-ce que les DPP, pour, pour, pour maintenir le droit de euh, un step in et d'arrêter toute poursuite? Right? Mais moi, moi ce qui me problème, c'est pas ce qui... Est-ce que le DPP ne pas venir et mettre ce haut-là si il y a une prosecution abusive? Je crois qu'on peut pas cause financial crime. Ce qui est tout aussi important, qu'il nous assure, qu'il y a un crime fully investigated et qu'il y a un prosecute. Et pas parce que quand on est dans le pouvoir, on ben, a une immunité euh, non écrite. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça, c'est un qui supposé qu'il a « duty to investigate » par PCLI. Moi, ce qui me suis content de trouver dans la loi, c'est qu'il est sa démone qui prend sa responsabilité là, l'accountable s'il n'est pas fait travail qu'il désire faire. C'est une chose d'avoir le pouvoir d'enquêter. C'est une chose d'avoir le pouvoir de poursuivre. Mais, « what about the duty to investigate? »« what about the duty » To prosecute. C'est tellement facile qu'il y ait une, une, euh, une autorité complaisant avec Benzimoun au pouvoir, qui, qui choisit d'être willfully blind. donc Mais vous connaissez le problème, c'est que la Constitution, nous Constitution, la protection pour les victimes n'est pas aussi fort que la protection pour ceux qui est accusés de. Euh, d'un crime, ok. Et quand nous cause corruption, la victime c'est nous, taxpayers money, right. Donc, ne pas croire qu'il existe un problème constitutionnel, je croire qu'il y a un problème qui souffert un super authority avec tous les pouvoirs d'enquêter et tous les pouvoirs de poursuivre les crimes financiers, vous pouvez aussi donner le pouvoir de ne pas enquêter, le pouvoir de ne pas poursuivre des crimes financiers. Ne pas connaître, vous pouvez bien dire où est le fond de ma pensée. Merci beaucoup, maître Hervé Duval. Merci. Donc, Hervé Duval pensait que le timing est timing indécent parce qu'il y a un litige en ce moment devant la Cour suprême entre le commissaire de police et le directeur des poursuites publiques. Hervé Duval pensait que tu viens laisse la Cour suprême trancher sa litige-là et puis il vient avec une proposition pour un bill de la Financial Crime Commission à côté. De Prend certains pouvoirs du DPP, mais le point le plus important qui Duval soulevé, c'est que le directeur, d'après la proposition, le directeur de la prochaine Financial Crime Commission dépend un certain pouvoir qui le commissaire de police et le DPP Il y fait à remarquer que commissaire de police et directeur de poursuite publique vous êtes l'indépendance garantie par la Constitution. Si eux-mêmes ont envie d'être indépendant, bien sûr. Mais la loi garantit l'indépendance. Or, quand nous avons le mode de nomination du directeur de la FCC, nous trouvons qu'il est quasiment presque un nominé politique parce que président de la République pour agir au advice du Premier ministre après consultation par le leader de l'opposition. Et uh, Rochipadin explique-nous qui y système un système. Que, Capable, grand président, premier ministre, et leader de l'opposition, mais il besoin de choix qui fait l'unanimité. Si n pas d'accord, pas capable de nommer. Mais d'après la proposition qui peut nous peut trouver, c'est pas le cas. Président pour agir, low advice, premier ministre. Donc, sous l'indépendance du pas n pas dans, dans le mode de nomination. Et deuxièmement, n'est pas garanti par la constitution. cest veut dire le directeur de la FCC pour détenir un poste qui pas constitutionnel, mais il possède certains pouvoirs. Qui ben détenteur de man ben poste constitutionnelle et notamment commissaire de police et le DPP. Voilà le point de Eavé Duval. Nous pouvons bien sûr revenir à tout ça après cette pause. Nous pourrons écouter la synthèse de l'info et nous retournons en studio avec nos invités Rochibada. cœur de l'info, la suite dans quelques minutes toi qui comptes en roule-masine Toyota, allez une bonne nouvelle pour toi. Toyota veut faire son grand clearance sales. Tu peux gagner jusqu'à 80% discount discant sur un grand variété de spare parts. Hey, genuine s'il vous plaît. Tu es capable de gagner pièce pour te haïer? Rush, Yaris, Corolla et même pour High 80% maman? Ou si elle est genuine parts, même ça? Ça même qui appelé des stockers neve. Après l'agence Toyota, pas n'fake là-bas. Et n'a n'ajuste genuine parts que Toyota. On fait aller en neve. Stock limité. First ça. Merci merci maman. Dans tout. Nous une de, de Toyota. Rendez-vous dans Showroom Toyota à Bagatelle, Richter et tout sucursal à travers l'île ou téléphone l'eau 405-6400 ou 460-5200. retrouve Elodie Doman pour la synthèse de l'info. L'info. Elodie, bonsoir. Bonsoir, Nawaz, bonsoir. Tujimoun, Fingel, Eko, 36 ans, dans la course aux ex-concubines Richelieu. La police a fait un à cadavre là dans l'hôpital. dit tout. Ex-concubine, là, ex-gosse, finette et appelé. Salaire minimum passe de 11 575 roupies à 15 000 roupies à partir de janvier 2024. NOS 3 425 roupies. Conseil des ministres finalise montant qui vient de proposer par National Wage Consultative Council. Zodi, revenu minimum garanti aussi pour augmenter. et ECPOVIN 17 000 roupies. et 41 700 travailleurs qui sont concernés dans le secteur public et privé et qui pour gagner sa augmentation-là. Nous écoutons une explication sous des au micro. Didier Rose avec le Guaranteed Income, Minimum Income. Une famille, si elle a des de travailler, peut gagner le strict minimum de, ce de la case, c'est-à-dire le Income par famille, qui est de 34 000 rupies. 17 000 plus 17 000, 34 000 rupies. Et l'année prochaine, en décembre, avec le bonus de fin d'année, elle pour gagner 68 000 rupies. Nous avons une autre bonne nouvelle. La cause salaire minimum, cause, le support qui le gouvernement permettait, c'est-à-dire le montant de 2000 000 sans prendre en considération le taux de compensation salariale qui nous peut déterminer la semaine prochaine. Le ministre des peut aussi dire qu'il peut soutenir BAN PME. à nous écoutons au micro Didier Rose. Nous paraissons insensibles à l'appel, nous, nous sommes bien conscients qu'il y a PME pour gagner des difficultés. Et il y a un mécanisme que le ministère des Finances met en place à la MRE pour venir en aide à l'entreprise qui peut gagner des difficultés à payer ses salaires. Et ça, nous ne les avons pas fait. Hein? D'ailleurs, ce n'est pas pas affaire nouveau. Et nous nous disons, depuis l'introduction du salaire minimum wage, nous pouvons donner même une special allowance pour venir en aide à l'entreprise pour être capable de payer le salaire minimum à ses employés. 74,6%, c'est au réussite pour National Certificate of Education 2020-2023. C'est une annonce qui directrice Mauritius Examination Syndicate, Brenda Tanaku-Disoborun, FLO, d'un point de presse matin L'année dernière, taux de réussite, 65,4% pour l'examen NCE. Au total, 10 830 des candidats, le 14 527 élèves, fina ici qui une performance louable à nous écouter au micro de Cette année, comme je vous ai dit, le taux de réussite est de 74,6%. Et si nous comparons en 2021-2022, donc les évaluations qui ont eu lieu l'année dernière, le taux de réussite était de 65,4%. Chez les garçons, cette année-ci, c'est 68,9%, à comparer à l'année dernière où c'était 60,4%. Pour les filles, le taux de réussite est 80,1% cette année, comparé à l'année dernière où c'était à 70,4%. Nous tenons à souligner la bonne performance des élèves en général, surtout dans certaines matières. L'anglais, le taux de réussite est de 85,1%. Les sciences, le taux de réussite est de 88%. ICT, Information and Communications Technology, le taux de réussite est de 96,8%. Une eh, madame 38 ans, P.A. Légué, qui finit sans ce petit-baba dans l'hôpital, dit tout dans ce plainte. Les qui l'a accouché hier et qui les finit trouve ce petit-baba à la naissance. Mais quand ce monsieur finit pour ce petit-baba là, finit elle qui ce petit-baba porteur de la trisomie. Eh, madame la pédiaque qui finit sans ses autres enfants à la naissance. Eh, 190 nouveaux cas VIH et SIDA finent détectés depuis janvier. jusqu'à juin ces ban Sébastien qui finit compilé par le ministère de la Santé. Et qu'à l'occasion journée mondiale de lutte contre le SIDA, qui peut observer aujourd'hui L'autorité AP encourage Ban pour faire des pistes. Et que des ou après ces autres trêve, ban bombardement israélien fin reprend. Et grand matin, dit la bande de Gaza, Israël père accuse le Hamas qui est l'irresponsable, finit la ban prémétier roquet depuis Gaza qui finit signalé dans la nuit. Et que le djihad islamique finit matin qui finit attaque ban la ville israélienne, ban cible du Hamas finit visée selon un communiqué ministère militaire, plutôt l israélien, l'ONU. De ce côté, Pédia il y regrette profondément la reprise de ban hostilité. Voilà, c'est la fin, ça flash là. Merci si, au Fin suive l'information Perevini à 19h. On pourrait trouver Amnata Slimbadou pour le bulletin en anglais. Dans quelques instants, la suite de l'émission Cœur de l'info avec Nawaz Nobux et son invité Roshibadin. Hey, Névé, toi qui comptes en roule-machine Toyota, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toyota, je fait son grand clic sales. Tu peux gagner jusqu'à 80% en discount pour un grand variété de tes spare parts. Hé, hey, Genuine, s'il vous plaît, tu peux de gagner des pièces plutôt high Rush, Yaris, Corolla, et même pour Hilux. 80% maman Ou Cielo Genuine Parts, même ça C'est ça même ce qu'on appelle des stockages, Névé. Après, l'agence Toyota, c'est pas un fake là-bas. Il n'y a pas de Genuine Parts que Toyota. On fait à Névé. Stock limité. Fais comme personne. Merci, merci maman. Pas de et ainsi, dans tout. nous classons une de Toyota. Rendez-vous dans Showroom Toyota à Bagatelle, Richter et Touban-Sucursal à travers l'île. Ou téléphone leau 405-64-00 ou 460-52-00. Deuxième partie de l'émission Code de l'Info avec nous, toujours le leader du Reform Party, Rochi Badin. Donc nous bouclons l'eau sur l'aspect de Financial Crime Commission. Après, nous parlons de l'aspect économique et bien sûr l'actualité politique. Alors nous finissons l'écoute avant euh, la pause Info, Rochi Badin. Il y avait Duval qui euh, souligne le fait que le directeur de la prochaine Financial Crime Commission n'est pas pour une pause constitutionnelle, mais le bouquin, c'est un pouvoir qui... Ben Détenteur de mon poste constitutionnel, comme commissaire de police et DPP euh, pour une l'indépendance de sa poste là, pas garantie par la constitution. Et moi, tu poses où la question est-ce qu'il a manié de drafter la loi Est-ce qu'il a ouvert la porte à un abus Et au euh, fin de répondement, par l'affirmative, et on dit le problème c'est la charge provisoire, donc les est capable de faire une charge provisoire, et Ziska qui n'a pas l'ose, mais DPP, pas pour en aucun rôle, manière à faire drafter ça, donc il n'a pas Ziska qui l'ose. Uh, Mais une caisse. Alors, quand, quand vous dites ça, est-ce qu'il euh, qui y a peut-être l'intention derrière ça, ça, la loi-là Non, premièrement, bon, premièrement, je dire que je suis d'accord avec ce que j'ai avec son observation observations hein. Et deuxièmement, laisse-moi dire que bon, ce qui que je dis, il n'y a aucune réforme qui permet. Vous vous faites 100 ans d'affaires, combien d'années vous avez eu l'ICAC Depuis 20 2010 jusqu'à 2023, 20 ans, 21 ans, l'ICAC a opéré. Ou bien à terme, en termes que les mondes ont évolué, en termes de crimes financiers, en termes de la technologie, en termes de tout man, nouveau type de euh, euh, risque pour la société mauricienne. Et après, en même temps, ou learning curve, mm -hmm. c'est qu'on apprend avec le fonctionnement de l'ICAC pendant 20 ans, qui ne fait bien, qui ne fait bien, comment bizarre améliorer, etc. Dans la structure, dans la nomination, dans les enquêtes, dans les pouvoirs, dans la façon à Reddit Moon. Les affaires sauces provisoires qui ont été maintenues avec ça la loi là, qui ont été abolies, tout ça on a fait là on les ensemble là on dit, ok, à ce nous avons sa nouvelle île Maurice devant là, dans 5 ans, dans 10 ans, comment nous les a fait là opérer devant. Mm -hmm. Mais pas a aucun thinking de cette la loi là. Pas aucun changement qui permet une réforme pour la société mauricienne, qui pousse sens, façon qui... Get ban crime financier, ou soit, façon qu'il y institution capable de servir un pouvoir abusif pour la de ban C'est ça qui nous tient en vie, c'est vraiment, C'est ça que nous dit, une Financial Crime Commission. Et quand nous disions, nous mettons un umbrella organization, nous disions, ben, c'est qui représente les droits humains aussi, qu'assise de sa Financial Crime Commission, là. Mm. Un human rights person, qui aussi get some un droit fondamental, là. Mais ici, ben, non, non, y moi, prend un, un, l'exemple, ça, la loi, là, 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 c'est qui, une de moi, là, l'obil, là, la section 142, 1. Quand on va t le poursuivre la le, le prosecution hein. Les subject sont à la subsection 2. Une prosecution pour une offense sous this loi doit être instituée par la commission. Shall be and poursuite doit être instituée par la commission. Ça, c'est la loi l'a la section 142, subsection 1. Nous, qu'était-ce qu'il avant dans la loi PICAQ Poca. Les diables, ici, section 82, même affaire L'ISAO, shall be instituted except by or with the consent of the Director of Public Prosecutions, le DPP. Ici, pas cause DPP. Ici, pas cause DPP, c'est le sens de la loi là. Ici, il y a 80 qui, ne no prosecution à la loi existante, hein, no prosecution for an offense under this act, shall be instituted except by or with the consent of the DPP. Section 140DN de la nouvelle loi qui parle devant le Parlement là. Les où est prosecution for an offense under this act shall be instituted by the commission. Oui. Mais que DPP a Ici, Tidia où n'a pas le droit de um, uh, poursuivre sauf qu'il est institué par le DPP ou avec le consentement du DPP. La il peut bypasser. y a des scénarios, hein, par le DPP ou avec le consentement du DPP. Ici, les où est institué par la commission, ouais. le Financial Crime Commission. Ça veut dire où par bypasser DPP en termes de ça en termes de manière que nous la loi là. Ouais. Non, -ce que Mais la question, il pose constitution... la question de l'intention. C'est-à-dire que quand nous regarde sa bigger picture là, pas Bigger picture. Quelle est l'intention de la l'intention de la de police et de Depuis quelques a temps, il y a une un critique ah. qui peut faire contre le bureau de DPP. Quand on nous prenons tout ça là, nous mettons ensemble. Qui est capable de dire peut-être l'intention des autorités de la loi Est-ce qu'il voulait me dire la vérité Comment il était Ou ça, nous continuons de discuter en termes de spécificité légale Ou préfère me dire où la vérité Bien sûr. Allez, me la vérité. La vérité, c'est qu'il y politiciens, que ce soit le précédent régime ou bien le régime actuel, qui peuvent servir à une institution qui la loi pour qu'ils soient capables d'arrêter les gens qui ont envie d'arrêter et pas faire caisse contre des gens qui n'ont pas envie de faire caisse. Dans un régime qui fait un ça on fait tout le monde. On peut nommer des gens qui ont envie, dans manière qui ont envie. On peut, envie. On peut mettre des gens là-bas. Ça veut dire, ou pas, pour une façon de nommer du monde là, indépendant, qui, comment dire, vous plus bon du monde. Comment oui. vous où si le président de la République, leader de l'opposition avec le euh, premier ministre Darco, mais il est différent. Mm -hmm. Comment oui. vous dire, où si vous faites ce qui party, oui. dire, est réforme parti, ben, c'est-à-dire mettre un comité pour apporter un bon du monde, pour un poste important constitutionnel, qui tire ça dans la main des mais les il est différent. Ou pas, pour qu'il y un du monde qui vous envie. Mm -hmm. Nous, ça, mm -hmm. qu'il y ait des réformes là, qui nous a besoin de ça. Ça, Deuxième affaire, c'est-à-dire, quand dire pensez, à l'arrêt du monde. Là, ce qu'il y trouvé avec ça, la loi là, c'est la loi là qui peut faire si ça passait, Ou qu'elle arrête n'importe qui, c'est là. Et DPP pas pour qu'elle ait non, et là-dedans. Donc. donc, en termes de. on qu'elle fait cause de là, moi, mon confrère Eve Duval Junior, une cause là, euh, Beylak, l'ancien euh, DPP il explique euh, pouvoir DPP là. Mais DPP pas pour venir à la cour. Oui. Quand a arrête, quand a met des choses provisoire, quand a fait la guerre, les affaires, si pas pour l'orgue, le cochon, pas pour l'orgue, le cochon. DPP est dans le rôle. Son ouais. Ce rôle, il finit éclipsé. Mm. DPP ce rôle pour commencer. Quand l'enquête-là est terminée dans un an, dans deux ans, dans trois ans, comme étant, les élèves, vous lève tout ça gros dossier-là ou parle de ça de bureau des PP là-bas. Les élèves, ils peuvent prendre une décision sur la constitution, sur le pouvoir, section 72 de la constitution. Si pas, ils pour poursuivre ça, si pas, ils ne poursuivre pas poursuivre Ce rôle commence là-bas. Après, les élèves, qui ce là pour commencer la cour, procès là travail travailler, là pour commencer dans la cour. Mais ça abusif, là. Les pas il n'est pas là-bas, là, c'est là. là, d'ici qui commence à dire. La, la question qui qui beaucoup de gens me posent, et je euh, me pose la question directement, est-ce qu'il y a un risque qui attache ce qu'il m'appelle l'encreole, attache la café blanc avec un opposant politique Mais définitivement, c'est un peu le mot de fait que j'ai Et pas ce risque qui attache la café blanc, il y a un risque qui prend, où prend la café blanc, là, Natli tout, mm. hein? pas Il ça a Mais ce mm. qui m'a oublié de faire ou comprendre, ce pas si c'est un opposant politique. Il y a pas capable de fonctionner. Il n'y a pas un public officiel qui peut faire ce travail correct, Il n'y a pas besoin d'un aménagement mafia. Et finalement, je dis à moi, il y a un aménagement, il y a une chose provisoire. Vous pouvez comprendre, mais il ouais. faut corruption contre ouais. lui. pas définitivement pour dans aller, mais y, le risque, il là. Mais le risque, c'est pour le fonctionnaire, le risque, c'est pour l'opposant politique, le risque, c'est pour le citoyen qui peut faire ce travail correctement, qui parle d'un droite, et qui lit pas les le jeu des personnes mafieuses ou des personnes qui abusent le système. Et ça régime-là, quand il y a la majorité trois corps, de Oui, quand il y a majorité trois corps, il y a avec ce qu'on appelle un prosecution commission, qui est capable d'exercer un certain contrôle au bureau des PP. Mais le PMSD, ils avaient du val, qui quitte gouvernement, et je ne peuvent pas à faire ça. Alors, maintenant, vous pensez qu'ils, Faute de majorité de trois quarts, je trouve peut-être un moyen un peu, différent pour qu'il n'y à certains pouvoirs, ou bien, ou bien, ou bien les, les, prosecution commission, c'est l'autre affaire, ça n'a là, c'est. Prosecution commission, c'est pour ça, deuxième aspect, que tu peux causer le poursuivre du devant, devant la cour intermédiaire. Mais là, nous, parce ça, provisoire, nous, font Bardi, mais déjà, on a aboli ça, provisoire. Ça système ça, c'est tiré. T'as l'air, moi, expliquer comment tu besoins mettre ça à Financial Crime Commission, là, si nous gagnons l'occasion, moi, je vais vous dire où ça t'a l'air. Qui besoins faire Tout le temps, on me qu'ils ont mal fait, là. Ou soit qui 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 une intention et n'ont pas mais qui besoins faire mm -hmm. Pour une nouveau Lille-Maurice, ça nous concerne, un m'as moment. Mais laisse-moi te dire où est-ce ça fait, le Prosecution Commission. Euh, Bill, qui vous peut dire que euh, gouvernement tiré redamné en 2015 quand mon camarade Xavier s'est démissionné. Et pas oublier quand Xavier démissionnait démissionné en décembre, euh, 2016. Des semaines après, les 23, trois semaines après, le 23 janvier 2017, moi aussi, suis démissionné, moi, C'était trois semaines, 10 après ces histoire ouais. que vous aviez démissionné. Et moi, je pas démissionné, moi, me suis le prêt serment dans nouveau gouvernement-là. Presque pour les mêmes raisons, parce qu'ils tiennent un système qui n'a pas qu'à continuer travail, là-dedans. Oui. Alors là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont dit, a fait qui est extrêmement important, me trouve. Et dans 1400, du monde nous, on dit, là. Mais du monde nous avons la vérité. Nous tenons dans l'ige du monde, là. Ça, c'est une histoire de prosecution, de la commission de billes, là. Quand tu ça dans le Conseil des ministres, en 2016, même que Xavier, après démissionné, après moi, m'ai démissionné, à mm. dans une des affaires. J'avais comme ça. ça Il n'y a pas de personne qui n'a pas mm. ça à la loi, là. Lui, avec Athénée général à l'époque, Ravier-Rigadou, je travaille là avec mon officier, mon fonctionnaire, et je n'amène ça dans le conseil des ministres. C'est le premier ministre qui amène ça dans le conseil des ministres. Sans dire à ben les autres ministres là. Mm -hmm. Moi, je ne connais pas, Ivan Golenda, ne connais pas, Soudé euh, ça, je ne connais pas, connaît. Anil Gayan, je ne connais pas, connaît. personne ne connaît là. Le premier ministre amène ça dans le cabinet. Quand il amène ça dans le cabinet, je m'explique où il y a affaires là. là. Affaire là. Premières affaire qui sont en neurodiagnant, tu Lisa ça la loi-là, tu préparais pour Paul Béranger quand il était ministre en 2004. Premier ministre en 2004. Premier ministre en 2004, Paul Raymond Béranger. lit quand Selmia qui est arrêté et il reste en, dans Riman pendant pas combien de temps je ne en Riman, mais des années, Selmiya finalement sorti. Ouais. L'ex-DPP, pour... Rafik Ahmad, Ray ben euh, Oui, l'ex-DPP, c'était Rafik Ahmad. Euh, qui était directeur des poursuites publiques à sa l'époque-là, Lirey Bansos, c'est le mia sorti. Paul Béranger vient dire comme ça qu'il disait revoir les pouvoirs du DPP. Et c'est Paul Raymond Béranger, premier Jimun à Maurice, premier ministre, en fonction, qui demande State Law Office à faire un premier ébauche de sa loi qui appelle Prosecution Commission là jean mm. Moutan mm. Anne Pelberanger, je veux dire ça coûte. Nous comme Kadza vient de démissionner à cause prosecution commission bill etc. Mais tu as la fumée d'Olivier du monde, même tout du monde en a du mondial. Quelle la vérité Sa première ébauche de prosecution commission bill là, il fait quand Paul Raymond Béranger, tu premier ministre de l'île Maurice en 2004 et Rafik Hamati, directeur des poursuites publiques. dans est-ce que sorti après comme l'année quiline passe Henri Man là State Law Office, le bureau de l'Atene General, gagne instruction au bureau du Premier ministre, Paul Béranzé, à l'époque 2004, pour faire Prosecution Commission Bill. Pour qui ça fait Parce qu'il dit qu'il y a qui pouvoir DPV parce qu'il c'était la main de celle du bon C'est ça qui Paul Béranzé dit en 2004. Mais comment le langage, il y a un sens, il y a un sens, il y a l'autre santé Moi, je vais répondre, moi, là. Mais, Rochepatin, est-ce qu'il vous d'accord qui pouvoir la Est-ce que vous, vous qui réforme la, la fonction de connaissez Le problème à Maurice aujourd'hui, c'est qu'il nous gagne un système qui nous hérité de ban anglais quand ils quittaient l'Inde. Nos constitutions, c'est un un un, un council de la reine d'Angleterre. Là-dedans, on tout sa bande pouvoir qui nous donne sa bonne institution et sa du qui occupe bande poste. Comment section 71 commissaire de police, section 72 directeur des poursuites publiques, le premier ministre le Président de la République, tout le monde qui un certain Mais comprends bien, Zodi, vous avez posé la question, sa zénesse-là, sa Mauricien Zodi qui peut être l'avenir du vent, ou sa parent qui n'a envie ses enfants restent dans maurice pas quitter ali Libiza comprend ce qui nous peut causer, Zodi Parce que ce système-là, qu'en tout cas, l'événement du monarque, arrête l'éloignement de choses provisoire mais là, il y a là pas, les provisoires, et on peut donner le pouvoir direct à FCC, à pour l'île, l'île, c'est pas pour donner ça, c'est pour la cochon pas pour donner l'écho, directeur poursuite publique, pas pour rentrer dans ça, c'est là jusqu'à ce que l'enquête est terminée. Mais au café dominé, au Bougla, là, pareil, comment tu es arrivé dans ça Quand je me disais, c'est le mien, j'ai 4 ans, 3 ans dans Rimane, après, là, on dit, c'est dans ça, on se Mais tout ça, ça fait, là, c'est ma expérience vécue dans le système de l'île Maurice, qui nous a fait faire une leçon, et nous a venir un système nouveau, Ouais, C'est ça pa... qui répond bon, oui, qu à question. Oui, mais on va répondre à ma question. Est-ce qu'il faut revoir le pouvoir DPP Est-ce qu'il faut revoir le pouvoir DPP là, euh, pour suivre euh, euh, quelqu'un Moi, je pense qu'il faut mettre un système de check and balance qui, quand il y a un abus, alors même pas un démon aujourd'hui, il y a un bon DPP. Peut-être dans le passé aussi, nous il y a un bon DPP. Mais du moins, quand il y a un DPP, il y a un DPP qui... Je ne connais pas. Connaît il peut fait ce qu'il envie Mm. ça a aussi un risque vraiment mm. tu. Ouais. mais qui arrive quand vous mettez sa qualité pouvoir euh, comment dire euh, comment dire sans, sans check and balance sans vérification ouais, mais... sans pouvoir comment dire vérifier l'eau mais qui, qui check and balance vous mettez pour DPP mais ou dans le cas de poursuivre Edmund mm. pendant non n'y a qui a pas de faire sauf du coup, là, la guerre devant à la cour que tu ne poursuives lui là et après s'il gagne ce cas il y a showcase, mais, là, là finalement il est acquitté mm. mais seulement là, il passe d'un système pas correct Six armées, c'est fait d'une façon abusive. De l'autre côté, la décision de ne pas poursuivre quelqu'un, ça... Conseil privé, même il finit aller, il finit décider qu'il un droit aller devant la Cour suprême, demande un judicial review. Mais au peuple cas, il dit à la Cour suprême, il review des PP sur pouvoir poursuivre un Ça n'a pas un droit, ça. Un ouais. dernier point, là, -là et je rebondis de l'ONZAF qui est Vejival, et euh, nous, nous, nous termine là et peut-être là vous avez l'occasion de dire, mais qui manière FCC Absolument. qui a été. Vejival, il y a une affaire bien important. Il dit que ça va peut donne sa institution-là, sa quantité de pouvoir-là, mais P n'a vraiment une accountability. C'est-à-dire que le directeur, il rend, rend compte à ce commission, qui lui-même est <rire> <rire> Donc, le problème, c'est que euh, nous souvent focusons sur l'enquête qui peut faire, mais nous ne focusons pas sur l'enquête qui peut faire. Par exemple, nous parlons de l'ICAC pendant ces 20 dernières années. Nous ne pouvons pas avoir de détails. Et nous avons de l'enquête. Souvent, nous nous posons des questions. Mais quand est arrivé, mais, fait, nous nous pas en fait. Même la commission parlementaire, le ouais. LICAC, n'est pas dans sa pouvoir pour questionner directement l'enquête qui est en cours. Dire, nous ne connaît pas quand l'enquête était. Mais, mais est-ce est qui, qui qui mécanisme vous pensez que vous en place Vous ne pensez qu'il y a une, Non, l'autre, c'est. Une, une commission bizarre a compte. The status of the inquiry. Nous avons connu quand qui est arrivée. Nawaz, Moubeguetou, explique-moi ça avec autant de passion et d'une façon extrêmement genuine. Mais Moussouké, d'une certaine façon, parce qu'il fait, parce qu'il se désigne dans la loi ICAC là, ça. Ça Operations Review Committee. Il n'a plus existé. Les opérations de l'ICAC étaient amenables à une euh, scrutinie un comité mm -hmm. qui est dans la loi de l'ICAC quand vote vote en 2000D. Operations Review Committee, il y a beaucoup de gens mm. qui sont là-dedans. Même le de police, il y a d'abord. Il y a qui peut représenter le secteur privé. Il y un an, ancien PS, euh, PS Souben, qui est là-dedans. dans euh, l'éducation, euh, Pierre Taubes, mm -hmm. dans l'éducation, Souben. Jacques Rosali, qui est dans euh, PMO. Man retired, hein. Je suis un je un comité qui, moi, comme directeur d'enquête de l'ICAC, mon rappel motivé, je réponds à ce comité-là. Et c'est dans mon affaire, tu vois, nous, là-dedans... Réponds-nous l'enquête Oui, l'enquête ouais. Première question, du vois, nous, dans la loi, là-même, tu m'étais. Si l'enquête dépasse six mois, ou vous avez une justifiée qui fait l'une dépasse six mois mm devant sa Operation Review Committee-là. Ouais. Dans la loi même, il mettait six mois. Hein. Mais, euh, dans l'enquête, -dan il nous prend dix ans avant de passer. Consistement, besoin d'enlever sa section de la loi-là, à step et à Mais ça, gouvernement Ramgoulam, il ne veut qu'il après, en 2005. Tout ça, là, dit que nous avons connu, moi, pour cause politique, je vous dis, Jack Data Ramgoulam, ou bien, il dit, Ou t'allais là, Béronze, qui met sa histoire Prosecution Commission-là, premier, tu dit, faire la loi-là. Mais la vérité, c'est ça. Mauritius aime se connaître la vérité. Et là, on ne pas comprendre le rôle de tout un chacun et l'hypocrisie de tout un chacun. Et là, là, on parle comprend qu qu'il qui fait au système zodi n'arrive arrive qu'on n'arrive et qui fait au bizarre un nouveau système. Ça, ça met un grand lot dans ça, des autres là. Donc, pour, pour nous résumer là, à quoi une vraie Financial Crime Commission bizarre ressembler Premièrement, c'est le modèle britannique du National Crime Authority, qui c'était le modèle qui m'a motivé quand je me mettre la loi, la Good Governance Integrity Reporting Act, et je me dit, je dis, dans le Parlement, nous avons mis une Financial Crime Commission, et je lui. Premières affaires, il y a des affaires sont ratées. Premières affaires, avant, il y ça la loi, la Financial Crime euh, Commission sur la loi, ou bien amène la loi la lo fraude dans Maurice. Comprends-moi bien. Nous cause la corruption, nous avons la crime financier. Mais c'est la fraude qui ne définit pas dans Maurice. Tout le monde a fait une fraude. Mm. Et il n'y a aucun ne fait fraude dans telle compagnie, si pas dans. Euh, c'est pas système informatique, c'est pas ligne fraude, ligne faire ouais. tel, Mais des la police fait... arrête-lui dans sous embezzlement, c'est pas qu'ils aient fait vous vous vous, ça. Mais c'est avec, c'est pas qu'ils swinlink, ouais. qui est là, il est dans le code criminel qui date de 1858, un ouais. affaires comme ça.

Mais du monde content, Vindris. Euh, ouais. Et parfois, c'est pas de moralité, c'est pas qu'être, comment dire, les risques qui se perdent, ils se cassent. Mm. Je n'ai qu'envie mm. Ça aussi. Mais tout ça là, c'est un type de fonctionnement de la société mauricienne. Il y en a pour le faire avec ce qu'ils nous appellent la moralité publique. Mm -hmm. Mais aujourd'hui vous dis, la loi de la fraude dans Alors, vous avez mm. besoin d'un fraude act avant un financial crime act, ce qui m'a dit depuis 2016. Et je ne faire parce que ici, ce pas. Parce qu'ici, je n'ai pas pour mettre un ça fait pour aller. Mais si vous après, il n'y a pas de donne caution après, il y a des coups pour faire. Mm. Mais, deuxième affaire, ce qui est important, c'est qu'il faut abolir les sanctions provisoires. Vous connaissez les sanctions provisoires, si l'époque, vous dans la guerre raciale de Maurice. Moi, je pouvez avoir de l'indépendance, vous n'avez problème. tu peux trop beaucoup de gens arrêté Piamène devant la coupe avec une qui bouffe Finalement okay, c'est une égale système budgétairement et ben mettez des choses provisoires tout zou. Puis dans un vague des qui bouffent okis là. C'est comme ça que ça, ça s'arrête provisoire. Lui pas existé dans le monde hein? mm -hmm. ça. Existe dans Maurice ça. Mais aujourd'hui que ça commence à évoluer et que aujourd'hui viennent outils dans la main politicien hein? pour aller par la rue du monde opposants politique, ou bien man de fonctionnaires qui parlait coup de zot ou bien man des bons qui comment dire pourquoi ce qu'on zot l'auri. Mais mm -hmm. Bon parce que c'est ça gouvernement dire moi je dire, gouvernement, bon, mon dis gouvernement. Moi, mon dieu, où ramgoulam t'arrête moi, j'arrête moi. Dans quatre semaines, moi ne casse plus les dessous provisoires. Mm -hmm. Ils ont dit rouler des de gros de moi. Mm. Mais, Bottom uh, line, c'est qu'ils vont pas rouler vers où, comprends? Ça, système abusif là, ils arrêté. À cause de ça, où vous trouvez dans dans man réforme qui nous nous payons dans nos 80 vingt réformes, premiers affaires nous disons abolition système provisional charge et où vous avez formation de policiers, et amène une nouvelle loi qui s'appelle police and criminal evidence bill. Mais qui moi je dis où? Amène la loi fraud acte amène la loi police and criminal evidence act. Mm -hmm. là ou vient avec ou financial crime act qui est une umbrella organisation. Et plus cela, là, a une constitution là et maintenant ça fait nous regretter là-dedans. Oui. Parce que ça ban droit fondamental des citoyens mauriciens qui fait nous un Mauricien en termes de nos fondamental rights mm -hmm. et nous ban freedoms, nous ban liberté individuelle et nous ban droit fondamentale qui nous est là, mais ça aussi, l'aspect des droits humains des Mauriciens, bien, être vu dans un document qui s'appelle Constitution qui en anglais, inquité, depuis l'époque 1967. Astémasine nous a fait bien. Dans, dans, dans ce document-là, je ne choisis pas qui man droit pour les Mauricien. Vous voyez les modèles, de la loi, 1948, ici ça, European Court of Human Rights, les droits de l'homme. Ouais. Mais dans les droits de l'homme là-bas dans 1948 ce document là il a plus y a plusieurs droits fondamentaux. Mm -hmm. Ici ça bouge Manuel qui ne fait à sa constitution de l'île Maurice là, il ne choisit me donne sa bout là right to privacy, me donne sa bout là ici, me donne ça bout là là-bas. Il pas de prendre comment il était là-bas pour y amener ici. Une mm -hmm. pick and choose, une sélection active. Ça veut dire aujourd'hui nous comme un pays indépendant, l'île Maurice nous encore OP en termes de citoyens, ce droit fondamental et ce liberté individuelle, basé c'est qui M. qui envoyait de la reine d'Angleterre, avant l'indépendance de l'île Maurice, d'un order in council qui s'appelle The Constitution of Mauritius. Mais, nous avons regardé qui est droit de nous, les citoyens, non? sur la liberté individuelle nous ça connaît est-ce qui sauce provisoire nous pouvons continuer ça Nous arrêtons ce système là si on arrête ce système là là provisoire mais tout ce problème là résout c'est ce qui mon camarade Hervé Duval il expliquait le bail act et que ça amendement se permettre là mais bail act, c'est remise en liberté mais avant remise en liberté fini dans arrestation oui oui avant quand arrestation il finit dans ça provisoire fini dans objecté Si abolit ça tout problème on abolit ça tout problème fini là où amène ça la loi police c'est ça qui font partie pour faire nous il okay. euh, maurice nous pas papier Jack goulam, beranze tout ça tout ça là pour nous rester plus avec Djivon. Ok, mon passé nous n'avons pas qu'un vase. L'eau ça fait FCC là. Et de toute façon quand le bill pour disponible aussi de l'assemblée. Bien sûr nous pouvons amener les autres débats au radio plus au là. Parce que c'est serait bien bien important. Nous prenons beaucoup les temps là. là. Nous bien explique Djimoune donc bien implication de ça la loi là. Nous nous euh prendre le thème, Rochibadin. Alors, nous cause l'économie, mais avant, nous causons ben, ça fait macroéconomique, nous cause ce qui, du moins, intéressé Vous connaissez, on oui. arrive 1er décembre, Quand nous cause 1er décembre, nous, mm -hmm. nous cause casse. Hein <s 'érégeau> Alors, l'opposition, elle peut cause 14e mois, au euh, fin de c'est irresponsable. L'opposition aussi peut faire un encher à politique. Mais aujourd'hui, là, euh, il y a une décision importante que le gouvernement finit de sur des annoncé finit Le salaire minimum, peut passer à 15 000 roupies à partir de janvier. 2024. Une première réaction pour commencer? Oui, ce qui m'a dit, au 14e mois, m'a dit, c'est responsable parce qu'il y a tout petit et moyenne d'entreprise et tout ça, une compagnie qui n'est pas classifiée comme une vraiment grosse entreprise qui ou pas capable de venir le de dernier jour l'année une compagnie une n'est

Mm. Mais, li y mais le Brésil a mis un mécanisme pour que le gouvernement soit capable d'être en train de payer. Oui, mais il a mis un mécanisme pour payer un 14e mois, après il y un 14e mois, un one-off. Oui. Mm. Mais qui dit ça Ça veut dire qu'il peut faire une chance, c'est politique, juste pour dire comment on fait, l'année Noël est venue là, comment nous fait du monde compte nou, nou en nous, et nous, on payé un 14e mois. C'est vrai que ça. Mais le oui, oui. salaire minimum 15 000. là aussi, responsable. Si oui. ça met un pour a toujours la même difficulté. Oui, salaire minimum sa, 15 000. Sauf, sauf, sauf qu'il un salaire minimal 15 000. Ça m'a dit, je ne suis pas fan ben du gouvernement. Moi, je ne suis pas de la réforme. Si vous get nous une réforme qui nous préconisait depuis 2019, nous disiez, nous avons un top-up. Nous disions, du monde ne pas pas vivre sa salaire qui vous gagnée là. C'est ça. Si moi, avez un dans rapport World Bank. Je fais ça. Le rapport World Bank, c'est comme ça. qui Ouais. Relative Poverty. Je crois que nous donne un document à la régie, là, ça, ça que vous proposez là, si la régie n'est pas capable de montrer euh, a, ou, a, la, la a, proposition. Alors voilà. Ouais. Ça, ça c'est ce qu'il nous dit qu'il est en 2019, ça, hein? là, non, en 2023. Oui, on peut donner une publicité gratuite, là. Non. <laughs> on peut montrer au courant <laughs> ce qu'il nous dit en 2019, ouais. ça, gouvernement là, peut prendre nous l'idée et puis faire. ce qu'il nous dit depuis 4 ans de cela. nous dit 15 000 que travaillait. Oui. Ça, c'était en 2019, dans les 15... Ça, qui nous y dit a un top-up à once pour augmenter chaque salaire jusqu'à 15 000 par mois Ça, en 2019. Là, aujourd'hui, je ne vais pas mettre salaire minimal, 15 000 roupies, non, dans en 2023. La... Oui, dans la loi, mais ma question reste, c'est est ce, -ce qui maintient l'entreprise pour pas de difficulté là aussi Oui, pour un oui, mais pour cela, il y a un top-up à once, On va continuer à lire là, employeur pour payer... Ce salaire minimal et ce sa salaire minimal-là, à that time, oui, oui. si c'était en 2019? C'était 10 000 10 000 là, là. Calques, ouais. Aller, right. ouais. et quelques. Et l'État pour ajouter un top-up la wens. Ouais. Mais tu entrepreneur pas de problème là. Parce que l'État qui peut ajouter un top-up à la wens là. Pour ça que travailler travailleur un salaire décent. Ça, c'est en 2019 qu'il y a eu un là. Ouais. Aujourd'hui nous l'améliorons en venant expliquer que le cas Comment nous faire dollars dans la caisse pour qui est capable de payer ça top-up à la wens là. Mais comprends bien, ça l'idée, réforme partie, qu'ils ont dit, gouvernement actuel peut implémenter en 2023 et c'est la raison que je fais ou ça. Petit et moyen entreprise, et dans une série dans nos 80 réformes là, une série de mesures, comment ou faire, il fonctionne mille fois plus bien, qu qu'il ne sait qu'il peut fonctionner et il n'y a pas aucun problème. Pas si ce côté financier en termes, c'est pas DBM Loan, c'est pas Smeda, c'est pas MyBiz, ce n'est pas Manzafé qui vous trouvez. Mais non, tout un fonctionnement. Bah, par exemple, où pour bizarre, il un encadrement, quand on dit que nous avons une espoir, entreprise, mm. ou on dit que nous avons une compagnie, que nous payé la TVA, que hein, nous fait le road bio, faire nous fait tout ça, nous avons fait là Mais il y a un système qui nous met, on appelle ça Yes Team, Youth Entrepreneur Support Team. Mm. Quand on aide les entrepreneurs, c'est l'État qui recrute sa bande jeunes diplômés, qualifiés du dans l'administration, experts comptables, finances, ou bien même, du coup, en gestion, la loi, etc. Pour aider tout ça, lire ce travail, c'est aider tout ça dans l'entreprise, faire ce paperasse, cette administration. Laisse ça, zéner cela, aller à le concentrer, là, c'est qu'il connaît qu faire sa business. Il n'en vient pas le faire quoi, ouais, ça fait, ou, il le fait au quoi. Il n'en vient faire Metal Workshop, il le fait au Metal Workshop. Ou il n'en vient pas faire un plombier, faire une l'entreprise pour plomberie, faire ou un mécanicien, telle affaire. Et plus, on cause l'autre technologie, comme virtual reality, de cela aider. Mais c'est un nouveau modèle, pour le vent. Là, aujourd'hui, quand vous êtes venir, vous allez dire ne casse. Là est, moi, ouais. arrive de ça, vous allez dire que vous êtes casse. vous dire Oui. Casse. Mais là... casse pas soulever tout problème dans le pays. Oui, mais d'accord. Là, pas 6 décembre. L'année prochaine, c'est l'année électorale. Il euh, paraît que le gouvernement pour faire la bousdou, d'après ce que beaucoup disent, il y a un budget. Et là, déjà, vous on trouve ça a minimal, minimum, 15, 15 000, budget pour, pour faire encore la bousdou, L'opposition, ici ne pas pour en reste, elle pour peut faire toute qualité proposition. Mais la question, c'est que le c'est casse. Et surtout, après l'élection qui va arriver. Exactement. Premièrement, laisse-moi dire, vous, comme ça, dans une conférence de presse, on explique ça la semaine dernière. C'est que le gouvernement fait la bousdou, Le budget, venir fait encore la bousdou, Là, les premiers envies, janvier ne font pas l'annonce qu'ils ont fait la bousdou Là, on peut avoir un salaire minimal, on peut avoir une pension de vieillesse là aussi, le 13 500, il est obligé de faire faire, parce qu'il n'est pas de promettre. Peut-être right? peut même le 15 000. Capable ouais. de promettre pour amener encore plus, et l'opposition-là, si tu peux faire pareil, pas oublier, avoir une pension de vieillesse, on peut avoir pas de vieillesse du monde de la Réunion. Hein? On N'a pas oublié ça. tout viens de dire que de la radio quand ils viennent de la ministre. Et ils viennent de la 250 millions. Mais, toujours, ils ont un casse-robe. Mais, ils sont rentrés là ou pas de faire Non, attends, ils ne sont pas rentrés là. Parce qu'ils ne peuvent pas expliquer comment ils font pour ramener la prospérité et comment ils font une casse dans la caisse. Personne ne peut expliquer comment ils font une casse dans la caisse. Ils disent comment ils font une casse dans la caisse. Mais, tout ce qu'ils ont expliqué, ils ne peuvent pas dire que les gens ont une réforme. Non, ils ne peuvent pas dire que les gens ont oublié. Mais, première affaire, c'est qu'ils c'est qu'ils Maurice, ce modèle, c'est où vous avez... Qui ressource là-bas Vous avez dans la mer, Vous de de l'eau bleue, le côté dans l'eau noire, dans le middle east... Ouais, avec avec ressources humaines. mais Les premières ressources humaines, une des affaires que vous avez faites, c'est Maurice, Vinan entertainment island, vous avez recommencé tout ce que vous faites. Vous vous rappelez d'un festival international de la mer dans Maurice Oui. Vous vous rappelez combien d'affaires que tu peux faire bah, dans un artiste local moi, mon cause, que ça fait avec du soleil, route du Rhum, fashion shows, conseils internationaux, carnaval, euh, international annuel, night market, je dans Maurice, Larry Defros fait live dans night market, Par exemple, dans Malaisie, dans l'Indonésie, tout ça, je pense ça fait un bilan, ça fait un travail dans Rosile, dans Flak, dans Kiepip. Combien ça fait, je vais vous comment vous fait en termes de compétition internationale, côté touriste, qui peut faire côté touriste? Non, il n'y a pas pu faire au final. Nous venons de l'autre côté de l'agriculture, on peut dépenser 11 milliards d'euros pour acheter des poissons. Après, on peut trouver des gens qui procèdent au gouvernement avec un contrat pour fournir des poissons dans, dans la prison, dans l'hôpital, partout, partout. Vous savez, il y a un système, vous savez, il y a 4, 5, comment on appelle ça The happy few. The mm. happy few. Un petit peu de poignet. du monde qui fait 4, 5, avec tous les restes pas Mais 11 milliards d'euros pour acheter des poissons, 10, c'est loin qu'on peut acheter. Depuis, oh là, monde, on a avec dans l'Himalaya, ce qui est le plus quand dans la mer tout autour. Et, et, et nous pouvons importer beaucoup plus qu'il nous paye exporter. Il y un grand oui, déficit dans nos euh, balances commerciales. Exactement. Et mondia Dieu, comme ça, vous avez dans le pays il a planté sa sandalwood. Mais vous voyez, comme ça, mais, si vous avez 1000 ans, il rapporte 70 milliards dans 15 bananes. Mais tout ça, dans le place où vous où fait faire rave party, vous avez faire stack party, tout ça, là, je ne sais pas si vous du monde, tout ça, mais Mais planté sandalwood, ou wipe out, une partie de la dette publique Maurice, 15 années, 70 millions, ou wipe out, l'autre de la dette publique Maurice. Combien l'idée de nous en termes, ça ça fait secteur public. Ou puis on vit qu'il commence à se rendre travail travail avec l'économie là, vous ne ça pas le déo. Mais une option à la Laisse-moi je dis, donne lui seul à fait-il faire business. donne lui seul à laisse lui aller commencer un business. Et je dis, ici, il a l'occupation occupation, L'économie là a si c'est parce que ça fonctionnait, il y a beaucoup de contacts. Mm. Il travaille tout long laver, il la, duane, le long sur la ville. il y a la douane, il y a telle place. À cette que Zenestak a rendu la fonction publique ici. Si n'a pas oublié de rester jusqu'à 65 ans, Zenestak a rendu la rentrée. Tout ça, il y a des affaires qui sont en termes wind farming, éolien, dans les sites gris-gris. Il gris y a un problème, ce n'est pas l'énergie euh, renouvelable, ce qui peut causer. Mais mettez ça wind farms dans, dans la mer là-bas. Ça divant, ça office trade wins là. Bah t'es depuis maintenant, mon gosse sixième CPE peut expliquer mal gaswin, ça office trade wins. Ben mettez-vous en formule là là-bas, faire lien modèle build operate transfert, pas prendre tax payeur, moni pour le mettre là-dedans. l'espagne pas compagnie là-même venir que je te casse, que je te financement, que tu mèmes, que tu viennes, que tu affaire là là-bas, que te payes je que tu courant là, que tu mettes il au grid CIB. Et finalement, Mauricien gagne un courant plus bon. Mon cas, déjà où depuis là si nous restons jusqu'à minuit là, mon cas montre que ça nous lie l'île Mauricien nettement. Oui, le, 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 le danger là-dans Rochibadin, il dit bon, ben vous faites ça et moi dis un droit un système, moi dis ça c'est laver l'élection, fait la bouse d'où, là là. Le... C'est comme un moyen pour gagner l'élection, mais oui. est-ce qu est qu que est-ce que vous pas penser c'est irresponsable et, ça, et, et à long terme, ça, nous, nous, nous la caisse publique pas capable de soutenir tout ça. Bon ça totalement d'accord qu'il est irresponsable, mais c'est ce qu'il me dit, tout ça l'étant là. Laisse-moi expliquer une affaire. Les Mauriciens, aujourd'hui, le problème pays la, mo, mo anecdote. Dieu, pays, là l'anecdote. Les le pays, là un pays diabétique. Il Là, où est-ce que gouvernement a dit qu'il la bouse. Le a dit fait la bouse, il pli la Après, les pas fait la Mais vous qui va arriver Vous allez faire dialyse après <laughs> Ou vous avez fait après parce qu'il vous avez des ad l'État de tout diabétique. L'économie paying un diabète. Moi, donne un exemple. Tout ça qui vous pour faner dans l'économie là, 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 c'est là où vous avez dit, vous une casque 15 000 salaire minimal, etc., etc. Mais pas oublier une on réserve la Banque Centrale, pas oublier une augmentation augmente de dette publique, pas oublier une on introduire le CSG, qui jamais ou t'y ou pour introduire, pas oublier une on a NPF. Et pas oublier, quand on met sa CSZ là, on ramasse 25 millions en ban de travailleurs et en banque d'emploi hier, à ce moment-là, on dire que c'est fini. Mais je me pose une simple question, c'est très simple. Ok, ce gouvernement-là, il donne 25 000 millions de roupies. La CSZ, elle prend une 1000 roupies, on en donne 50 000. 25 millions, ouais. euh, euh, C'est pas une vieille dîme, on oublie, on a des enfant en bas de 4 ans. Mais est-ce qu'il a solvait le problème parce que le problème, c'était qu'il y avait un prix peut monter l'inflation d'une façon qui est incontrôlable, il une spirale, et du coup, on ne peut pas se miser, du coup, on ne peut pas faire un début. Ouais. Mais on fait une casse, et ce qui a résolvé le problème. Mais à l'époque de ma bonne vidéo, je finis déjà où, quand on peut faire un casse de cette manière-là, l'inflation, c'est too much money, ouais. trop beaucoup de casse, qui peut galoper, chasing, too few goods. Mm -hmm. Mais on où, où, où prend casse, on fan de l'économie d'une une situation... Que l'inflationniste déjà, ou bien ouvert, fait, ou bien le pétrole a les boufflambés. Mais si le gouvernement a fait le prix baisser. Mais ça même que vous a fait, pas de réforme économique, qui Kirishi Soudan qui fait l'Angleterre. Il est bon de m'expliquer mm. ça pour que tout le monde comprennent parce que Mauritian a besoin de comprendre, arrête, ça ça fait autre bout là. Ou bien il une discipline, fiscale discipline, et ou bien il man réforme pour qu'on mette un lot dans ce système-là. Pareil comment Ndjibouti qui a déjà fait, je ne prends plus bon exemple. Si vous avez un diabète, vous pouvez faire l'exercice, vous pouvez faire un peu de qui pas en pire situation diabétique. Sinon, vous pouvez faire un problème les reins, vous pouvez un problème pancréas, les pouvez un problème du sang, vous pouvez un problème dans la tête, la veine pour éclater, les yeux pour trouver, tout cas les pied pour couper. Tout ça là pour arriver. Si vous pas le diabète. Mais l'économie, c'est pareil. Ça même qui ne pas d'accord du tout avec ce qui pas d'ayatine faire. Et je vais expliquer ça de façon plus simple qui je ne m'a capable. Qui si vous restez dans le gas, dans le gas, dans le gas, mais là, vous pouvez al créer une situation que vous pouvez finir en Zimbabwe, que le roupie la valait. Le problème c'est roupie pénale valait. C'est ça qui est le problème. Ouais. C'est que visiblement c'est réhausse la valeur de la roupie ouais. et comment vous pouvez aller. Mm. On faire aller. Mais vous pouvez aller, pas en menant les réformes structurelles qu'il faut, pareil comment réussissez-vous nakvez dans l'Angleterre. Mm. L'inflation était 10,2% au début de 2023 en Angleterre. L'Inde a eu li, pour half inflation, a amené 4,6%. Là, à ce là parce que quand on a baisse de l'inflation, à a une, une 4,6 hein? avec une, mesure, une décision difficile. Je vais donner un exemple. Là-bas, dans l'Angleterre, tout ban NHS, National Health Service, tout qui commence à faire la grève pour dire augmentez-nous le salaire. Mm -hmm. augmente salaire. Augmente le salaire, augmente le salaire, papa qui a travailler dans le système NHS, il plus casse. Dans l'immigration, dans mon aéroport, tout qui commence à faire la grève. Il y a un plus de casse, wage increase, etc. etc. Mais si on a L'une bizarre capable, les partis ont une populaire qui l'infligeait l'économie là pour craser et pas oublier oui. c'est ça vendu. Tiens l'autre premier ministre l'insta ce qu'ils ont mettait, il l'india moi parle baisse taxes, moi pour faire où mon boudeau nous la bouse dou la bouse dou la bouse dou. Dans six semaines vous n'irons pas qu'y aller parce que l'économie là on était un l'intérêt crasé, les intérêts ils commencer à monter c'est pas qui qualité Du coup une paper dit ça de la case. Finalement une bizarre fiscal discipline, hard work et après on réussit mettre l'économie sur les rails. Asté là où trouve ce ministre des finances, Rishi Sunak. Qui peut venir ouais. à Aster nous donne une position des taxes, Mais plus beaucoup de casse dans la médium. Il peut adresser ce qu'il appelle le cost of living crisis. Mm -hmm. Même affaire, Maurice ah. aussi n'a pas ce problème. Il peut adresser le problème. Non, problème prix primonté. Ouais. Où tu poses pas ouais. la question cost ouais. of living crisis, c'est primonté. Mais aujourd'hui, ici dans Maurice, ce ne fait, il redresse populaire, reste populaire, reste populaire. Un gouvernement pas qu'à droit populaire depuis sa première année, jusqu'à sa cinquième année. Il est impossible, c'est si un magicien. Mm. Mais les villes de Comandien, ça fait qui Comandien Moi, je ne connais pas où on vit dans bolom Il est impossible économiquement parlant, pour qui Mais un gouvernement... Mais ça, gouvernement, il avait l'élection pour ne pas faire réforme structurelle. Personne ne peut faire réforme. Ça, a même, bizarre une réforme partie à Cossame. Ce pas une réforme partie à Cossame. Il y a un nouveau Lille-Maurice avec ses 80 réformes. Ce qui fait Parce que même Michel Béranzé, aujourd'hui mmh. même Michel Ramgoulam ou bien... Xavier, qui est un beau camarade, moins, mais c'est moi qui ai pu venir à Waldon 14e mois, one off. Qui a pu le faire Il a fini de trouver les N'a ce qu'il pouvait donner là. Les peuples à le peuple là valu de l'autre côté. Et je, tous les trois, il arrive ce dernier lago qui, comme quoi, est obligé de gagner pour éroder le pouvoir. Ça, là. Je peux être à 50, 10 ans, 15 ans, 20 ans devant eux. Alors, je dis que moi, c'est lui, mais de faux, nous, ça m'a plus faux. Mais de faux, gagne faux. Le mm. groupe qui peut dérouler là, mm. là, il vient s'assurer aussi à Kyopedia là. Parce que personne n'a pas guérir vraiment qui l'île Maurice pourrait être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Roche-Bardin, nous reste 5 minutes pour la fin de cette émission. Moi, moi, on va prendre un petit volet politique, mais nous, on ne va pas faire une grande analyse politique. Moi, on va parler un peu, peu la Reform partie même. Parce que oui. là, depuis quand a on a pu gagner cette information. Moi, je suis pareil. Ah bon? <laughs> <laughs> Qui la guerre au vous pouvez gagner pour partenaire Patrick Belcourt Non, non, il n'y a aucune guerre, mais vous savez, eu, franchement, euh, mon cousin Patrick ce matin, mon cousin hier, il y a certaines issues en termes de fonctionnement, mm. parce que, qu'est-ce que ça? En avant, Maurice lit plus tôt dans Drosil, dans numéro 19. nous, une la guerre nationale, avec nous nouvelle bande de candidats partout. Mais il y a une certaine euh, synergie qu'il a développer pour le bon fonctionnement. Mais moi, ce qui m'arrive qu'on comprend. Et je vous franchement, parce qu'il beaucoup cause tous les avec Patrick. Même quand les affaires fait nous pas d'accord, ils mon côté. Et lui pareil, je vous le Et je ne suis pas content que, comme a dit Astel, je vienne raconter toutes mes publiquement. Ou soit lui aussi, il fait pareil, mais je ne tout pas ça bon. Ni ici aussi, tout dit bon. Mais il y a fait affaires qui m'ont carrément dit, nous nous d'accord pour nous faire une conférence de presse ensemble semaine prochaine. Ok. Et qui nous peuvent venir, nous en toute transparence, nous pouvons dire à tout le monde exactement où en est la situation. Et qui nous pense pour nous faire... Et, comment vous nous ne payons aucune affaire qui nous parle cassette avec la population, qui, comment on dit, a pas fait pas de bémol. Bien mais, 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 mais nous pouvons faire semblant, non, du tout. Nous pouvons être transparents, nous cause la vérité ouais, moi, Mais laisse moi dire, ouais. vous, euh, allez, vas-y, posez vos pose question d'abord. Oui, non, moi, moi l'information qui m'a donné mon elle est un l'information inside, depuis au parti même. Mm -hmm. Et, il euh, paraît que ce qui peut mettre Patrick Belcourt beaucoup plus mal à l'aise, la divergence, il pose surtout sur le fait,

ki fe bagwanen kase pake akosa. Zame unje ram gulam yen wan menso ki paka renplasli kom liderpoti travayis. Zame unje pravin jak nat yen wan menso da MSM no. zou yale ksen nan pou renplasli. No. Sacki... Non, nou sakin unjet, nou sakin unjet, Politique, là c'est une forme de dictature. Mais tout un homme sur lui. C'est un rôle. Si Zabie Djival allait là, c'est à vous de mettre dans le PMSD là. Mais tout un homme sur lui, nous, c'est la vérité. Mais peut-être ou peut comme personnalité, dire? ou personnalité, ou personnalité, peut-être, ou est-ce peut-être, ou comme personnalité, 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 ou comme personnalité. Non, non, ma question, c'est est-ce -ce, est qu'il y a un débat en interne, il y a une démocratie interne Est-ce qu'il y a un chien Est-ce qu'il capable de donner une opinion ou vous avez demandé Kailash Strilochan qui est leader adjoint, ou vous avez demandé Hans Leperamali qui est leader adjoint, ou vous avez demandé Mivendia qui est secrétaire général, ou vous avez demandé Vinesh moipodkineli qui est conseiller district comme secrétaire administratif du parti, ou vous avez demandé Géraldine Geoffroy qui est présidente du parti, ou vous avez demandé Bashir qui est vice-président du parti, ou vous avez demandé Anan Nankou qui en charge de tout le monde partout, ou vous avez demandé tout le gens qui travaille dans le Young Reformers Team, ou bien même. Euh, pous platarati qui en sort nous euh, reform women's team euh, senior reformers team qui par monsieur laval l'acune avec Daniel emilien qui était euh, euh, maire de bobarcenrosille ouais. mais tout ça là c'est la structure mais, du reform mais, euh, pas écoute ça, man, mais ça moi pas, 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 pas ça pas dina qui euh, peine un problème en ce moment en, où est patrick Belcourt dans, dans toute l'alliance moi vous dire où une certaine qui arrive mais moi ou de mon point de vue me vous où exactement ce qu'il qui en est après là où où, là où vous cas décidé où, où, où là, je ne suis pas de Maurice parce que ma famille passe dans une affaire bien difficile. Mon papa est décédé, mais tu prends moi alors on fait tout pousser et sauver. Dans ce moment-là, je n'ai pas de politique, je n'ai rien. Je suis bloqué là-bas et je ne sais pas combien de temps il faut pour prendre une semaine, deux semaines, trois semaines parce que c'est ma complications qui peut gagner. Et finalement, nous avons réussi à mettre le stretcher Maurice. Quand je rentre ici, nous réaliser, pas nous Après, nous avons mis deux cliniques Après deux semaines, il est décédé ça 5-6 semaines, je ne pas du tout capable de... Conceptualise en termes politiques qui peuvent arriver, etc. Je mm qui -hmm. dit que Patrick Belcoup da est yeah. dans PMO. Il y a dans Facebook. C'est la solution révolution qui a ça. Je y a une liaison inouvert avec MSM. De l'autre côté, quand on retourne, je qui dit qu'il y a un candidat de numéro 19 pour le uh, pou Parti Travailliste. Et je un candidat numéro 19 pour le Parti Travailliste. Et je suis dit que c'est un candidat un candidat, je ne Patrick Belkou, avec un autre du monde qui vient de dire moi, un autre du monde dans numéro 19 même. <coughs> Mais quand on entend tout ça là, si papa négocie avec MS, il y a même une autre solution, révolution, bébé, en quoi une phrase pas qui Mais là, on dit, nous avons besoin de s'écouter. Nous avons besoin que ce que ça fait là a été... Ouais. Si c'est vrai, mon papa dit, elle, elle est vraie, hein? ouais. parce que Patrick dit, non.

Bonne journaliste présente, pose-nous toutes les questions qu'il y en a vous poser. Mais la manière où vous pouvez expliquer vous il y a un problème de trust là, qui arrive entre vous et Patrick là. Oui, je vais vous dire, c'est un problème. Mais qui prop... peut arriver à l'Alliance c'est qu'en avant pas ce là Non mais c'est ce qui me fait plaisir, il faudrait qu'ils nous assisent ensemble, nous faire. Un relevé de tout ce qui en est, mmh. et après nous prendre une décision. Mais la décision qu'on va prendre, comme des, comme des professionnels, comme des grands, nous, nous venons devant la population pour nous expliquer qui nous parle faire ensemble, etc. Si demain allons dire ça pas marcher, mais nous venons devant la population, nous venons devant. Donc la Donc l'avenir la, de l'alliance incertain, nous ne Moi pas dire incertain ou pas incertain, parce que j'avoue, nous nous parle, qui nous parle faire sa 80 réformes là, sa 80 réformes là nous pouvons faire les

nous pouvons faire un grand meeting quand nous vous présentons 20 candidats. Comme on vous disait, 20 candidats, c'est le premier batch de 20, et non 60 en tout. Ouais. Premier batch de 20 qui nous peut présenter comme candidat, hein, pas candidat ouais. potentiel. Ouais. Il ne faut il y a un ticket pour le travail, pour la guerre élection. Un peu la vitrine, je reforme partie. Mais a... vous trouvez ça 20 là, on, bon, on vendredi prochain. Okay. Maintenant, si on avant Maurice, envie de présenter ce band -candidat ensemble avec nous ça jour-là, most welcome. Si je pas envie de l'avant pour présenter ce band de candidats, parce m'ont pas donné pour qui raison mais ok fair enough nous pour accepter lui mais moi et Patrick Mundi Ali Gouman tu connais tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant on a fait ça en toute transparence devant tout le monde la population a vu comment on a pu comment dire mettre nos idées ensemble pour venir ensemble pour aller faire ce qu'il faut faire pour le pays mm. demain si ça marche pas ben on va aller devant la presse devant tout le monde et on va mm. parler et puis on ouais. donne l'occasion aux journalistes de poser des questions une, et la population vous trouve tout une cassure en direct c'est possible non, c'est la transparence totale. Mm. Vous connaissez, il pas dinosaure opérer comme ça. Mm. Ça, c'est la nouvelle façon de faire les choses, ça. Ouais. Faire tout dans la transparence. mettre tout devant les peuples. laisse les peuples exercer ce soir. Les fonds de parti qui nous ont donner euh, Nawaz, nous mm. ont donné une seule affaire. Je connais tout le temps, nous, nous avons une partie traditionnelle ancrée dans le système, un Maurice, qui manière de voter, la mentalité mm. euh, dans les villes, dans les villages, etc. Je suis conscient de tout ce que vous pouvez dire. Mais une affaire, vous allez comprendre, nous, nous perdons une soi. Nous avons gagné cette soi-là. Quand nous ne ni dans ni Pravin, nous pouvons donner le choix qui dit, mais si vous avez envie, pour aussi badin ou ne pas voter. Parce que nous, mm. dit, nous mettons ça à fiche là-bas, tout. C'est cette 80 réformes-là, ça, c'est l'île Maurice. Qu'est-ce que nous ne faire ceci, nous ne faire tout ça. Mais si le... vous avez envie de ça, vous votez ça. La, est la, la, la question, c'est, est-ce que vous prenez 60 candidats valables Ah bien sûr, bien sûr, et nous pourrions s'improuver. Par exemple, là, je pourrais en parler, sinon moi, je ne veux pas je candidat. <laughs> oui, ça, nous pouvons considérer. Chaque fois, on veut dire qu'il n'y a pas de proposition. Nous pouvons considérer. On peut se cacher en direct ou faire proposition en direct où? Non, moi, il un potentiel candidat, c'est-à-dire ah. qu'il ah. n'est plus là, mais il est quand même moi, hein Monsieur Alkis Ramjin. Ben, ça, il <laughs> pense, pense aux décision, hein <laughs> Parce qu'il n'y a pas de radio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez, il pense aux <laughs> décision. Bonjour madame. avant de terminer, je vous fais en privé, je vous fais en public, je vous présente mes sympathies parce que Jean Madin, je le connais moi-même comme journaliste, je le connais, à plusieurs reprises, donc un vrai gentleman et il n'y a pas de contribution pour le pays, donc mes, mes sympathies et toute la rédaction de Radio Plus euh, présente ses sympathies à merci, la famille badin. Merci, Merci beaucoup, Nawaz Badin, je vous remercie pour ça et, mo, et non, je vous remercie pour ce qu'il a dit et je vous remercie pour ce qu'il Grand ouais. vide. Parce qu'il n'est pas si c'est ce qu'il fait pour le pays, mais il est aussi mon camarade. Il est aussi un du monde qui m'a demandé que Et une fois que je rentre la case, que je suis assise là, à ce stade-là, je suis rentrée, je me trouve là-bas. ouais Et aussi Et moi, j'ai une faire mon... Je vais faire un compliment pour lui que moi, on prend lui pour On gagne un peu son caractère. Merci beaucoup. <laughs> merci. merci. Merci, Rossi Badin. Merci à mes auditeurs ben, et à nos téléspectateurs qui finissent de suivre l'émission. Bon week-end, bonsoir. <mélique> Au cœur de l'info.